Chers collègues, chers amis, bonjour. Bienvenue dans le salon de lecture Jacques Kerschach du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Au nom du président du musée, M. Emmanuel Cazerero, je suis ravi de vous accueillir ici pour cette matinée autour d'une personne qui est tutélaire pour le monde de l'ethnographie, de l'ethnologie, de l'anthropologie et de l'écriture également. Il s'agit de Jean Mallory. Jean Mallory est rentré dans sa 100e année le 22 décembre de l'année dernière et à cette occasion, nous avons voulu marquer le coup et surtout tourner la tête vers l'arrière et essayer de mieux comprendre comment s'est bâtie cette figure qui nous parle à tous, qui a été une figure d'inspiration et qui est toujours une figure extrêmement importante dans ce monde des sciences humaines, à la fois en France, mais également à l'international. La matinée s'est bâtie de cette façon-là, d'abord en l'absence de Jean Mallory, qui, pour des raisons de santé, ne quitte plus Dieppe dorénavant, sauf pour des circonstances assez exceptionnelles. Il avait été prévu que lui soit remis la Grand Croix de l'Ordre national du Mérite, qui lui a été octroyée par décision présidentielle. Je parle du président de la République, bien entendu, pas le président du Quai Branly. Et malheureusement, ceci n'a pas pu se faire encore pour des raisons à nouveau de santé, d'organisation et d'agenda présidentiel. Donc, nous avons évoqué, parlé de Jean Mallory, mais en son absence. Mais comme vous le savez, son corps n'est pas là, mais son esprit est partout. L'autre chose aussi, c'est que nous avons voulu marquer le coup avec deux ouvrages ou catégories d'ouvrages importants récemment publiés. D'abord, nous avons voulu faire venir autour de cette table une figure importante à la fois de l'anthropologie, mais également de la collection Terre humaine, auteur des Lances du Crépuscule, Philippe Descola, qui va nous parler au tout début de sa vision de l'homme, de la collection, comment se sont bâtis à la fois les livres, les échanges, extrêmement fructueux, extrêmement féconds, entre lui et Jean Mallory. L'autre chose aussi, ce sont des rencontres autour d'auteurs récents de la collection Terre humaine. On aurait pu faire appel à des auteurs plus anciens, iconiques également, classiques, fréquemment réédités. Le hasard s'est penché sur des auteurs récents, je pense en l'occurrence à Dominique Sewan, à Olivier Weber. Sylvie Lasserre devait être avec nous, auteur du génial Le ciel et la marmite. Malheureusement, elle est retenue en Turquie pour des raisons, on va dire, administratives. Et puis, il y a également Mireille Aïn, qui, elle, est au Bénin, sur le terrain, en train de travailler sur le vaudou béninois, cette fois-ci, et les rapports qu'il peut entretenir encore avec les communautés de Haïtiens qui reviennent aux sources de leurs pratiques, on va dire, magiques et religieuses. Et puis, il y aura Grégory Berthier aussi, qui va nous rejoindre, qui est directeur éditorial des éditions Plon, aux manettes, on va dire, administratives de la collection. Et le pendant, puisque Jean Mallory m'a transmis la direction de la collection à la suite de Jean-Christophe Ruffin, il y a maintenant un petit peu plus d'un an. Et puis une deuxième table ronde également autour des auteurs et des coordinateurs du cahier de Lerne consacré à Jean Mallory. Je pense à Yann Born et à Pierre Aurégan, aux côtés d'Anne-Marie Bidot, qui vont nous parler de l'organisation à la fois de cet ouvrage, qui reprend des textes, parfois inédits, parfois méconnus, mais également qui interroge le regard de certains des proches, à la fois sur le plan professionnel, mais également sur le plan personnel, de Mallory. Vous comprenez, avec cette vision kaléidoscopique, on va essayer de mieux comprendre cet homme, d'essayer de mieux percevoir l'importance qu'il peut revêtir pour de jeunes générations de chercheurs, comme pour des chercheurs désormais bien établis. Et voilà, peut-être qu'il va finir par prendre forme en finissant par évoquer au fur et à mesure son existence. En tout cas, merci à vous d'être là. Des temps d'échange sont prévus avec les différents orateurs, ce sont des tables rondes. La parole circule, c'est bien le but d'un salon de lecture, paradoxalement. C'est un salon où on parle autant qu'on lit et qu'on écoute. Merci beaucoup à vous et je vais passer maintenant la parole à Philippe Descola. Merci beaucoup à vous d'être présent et de nous présenter votre vision. Bonjour à tous. Philippe Charrier m'a demandé d'évoquer mes souvenirs de Jean Mallory. Et je le fais bien volontiers, en vous priant d'excuser le ton nécessairement un peu personnel de mes propos. Et à vrai dire, je vais moins parler de Jean Mallory, le savant, le chercheur, le professeur, l'infatigable activiste. Je pense que d'autres le feront mieux que moi. Je vais surtout parler de Jean Mallory, le directeur de la collection Terre humaine,
puisque c'est en cette qualité que j'ai fait sa connaissance et que j'ai entretenu avec lui, au fil des années, des relations. Je parlerai aussi de l'originalité de cette collection, de ce qu'elle a représenté pour les ethnologues de ma génération et des générations suivantes. Mon premier contact avec Jean Mallory date de 1980. Je venais de rentrer, après avoir passé 3 ans en Amazonie équatorienne, avec ma compagne Anne-Christine Taylor, à séjourner parmi des Indiens qu'on appelait à l'époque Jivaro. Le nom maintenant est récusé par les Jivaro, on les appelle les Ants Chichem, pour étudier en particulier dans un des groupes tribaux, les Achuar, les rapports que ce collectif entretenait avec les non-humains. Et je reçois un jour une lettre de Jean Mallory qui, sur la recommandation de Claude Lévi-Strauss, qui était mon directeur de thèse, me demande si je serais disposé à écrire un livre pour la collection Terre humaine. J'avais une trentaine d'années, j'avais 30 ans, je crois, et évidemment, j'étais à la fois tout à fait bouleversé par cette demande et en même temps très intimidé, puisque cette collection, j'en avais lu pas mal de volumes, et constituait pour moi l'un des summums à la fois de l'écriture littéraire, de l'exploration du monde du réel sous toutes les latitudes. Et en même temps, un grand nombre de grands ethnologues avaient écrit dans cette collection. Et donc l'idée d'avoir écrire une monographie en me mesurant d'une certaine façon à tous ces grands noms m'avait évidemment profondément intimidé. Cela dit, j'étais en train de rédiger ma thèse et j'ai répondu à Jean Mallory que je serais ravi d'en parler avec lui, mais que je ne pensais pas pouvoir écrire cette monographie dans l'immédiat parce que je souhaitais d'abord terminer ma thèse avant de publier un livre de cette nature. Vous connaissez sans doute le livre de Vincent Debène, le deuxième livre, qui met l'accent sur le fait qu'en France, à partir de la deuxième, après la Deuxième Guerre mondiale, la plupart des grands ethnologues ont publié un deuxième livre, le premier livre étant un livre savant, généralement une thèse, et le deuxième livre étant un livre beaucoup plus personnel, beaucoup plus littéraire. Debène a suivi cette évolution depuis avant la création de la collection Terre humaine, et après, évidemment, sa création, avec des exemples bien connus comme les Tristes Tropiques de Lévi-Strauss. On se souvient que Lévi-Strauss avait dit... Il était candidat à la Sorbonne, il avait raté la Sorbonne, et il a dit « Maintenant que ma vie est foutue, puisque j'ai raté la Sorbonne, la chaire à la Sorbonne, je peux me permettre n'importe quoi, donc je peux me permettre d'écrire un livre très personnel. » Donc c'était, après évidemment, le livre très savant, enfin plusieurs livres très savants, notamment sa thèse de doctorat d'État, « Les structures élémentaires de la parenté ». Donc c'était, à l'époque... difficile d'envisager pour un jeune ethnologue publier d'emblée dans cette collection. Alors, néanmoins, j'ai accepté, bien sûr. J'ai accepté parce que je ressentais à l'époque un malaise qui me paraissait, d'ailleurs, alors comme maintenant, révéler un problème propre à notre pratique professionnelle d'ethnologue, d'anthropologue. Comment expliquer la réticence des ethnologues à tenter d'atteindre une audience plus vaste que celle des spécialistes de leur discipline, alors que leur démarche scientifique est fondée sur une expérience qui est en principe accessible à tous et qu'elle s'exprime, pour l'essentiel, avec les mots de la langue ordinaire. La technicité de l'anthropologie n'est pas telle qu'elle rendrait intraduisibles pour les profanes les enseignements que nous tirons de nos terrains. Et d'ailleurs, le panthéon de l'anthropologie est peuplé
de personnalités qui ont acquis tardivement et avec célérité les rudiments d'un métier que nous arrivons encore à inculquer en 2 ou 3 ans à nos étudiants. Je pense évidemment à l'un des héros fondateurs, Lewis Henry Morgan, qui était avocat, Franz Boas, qui était physicien, Edmund Leach, ingénieur, Frédéric Nadel, violoniste virtuose et chef d'orchestre, etc., etc., sans compter, bien sûr, en France, en particulier, la cohorte des médecins et des agrégés de philosophie. N'est-ce pas, cher Philippe Charlier ? Les plus grands physiciens de ce siècle n'ont pas hésité, eux, à écrire des synthèses de vulgarisation dont certaines, des mieux réussies, montrent bien qu'une vocation passionnée, combinée à un sens poétique de la métaphore, nécessaire pour faire passer des concepts difficiles si on ne maîtrise pas bien la partie mathématique de la physique, permettent de faire mesurer au plus grand nombre l'intérêt d'un domaine de recherche. Les historiens, qui sont des praticiens comme nous, du récit explicatif et de la contextualisation culturelle, ne sont pas en reste. Les plus illustres d'entre eux ont su se ménager un vaste public, sans pour autant abandonner les exigences de rigueur propres à leur discipline. Alors d'où vient cette attitude un peu hautaine des ethnologues qui les conduit souvent à écrire surtout pour les happy few, pour leurs collègues? Pourquoi, au fond, décourageons-nous le désir bien réel des profanes de partager le savoir que nous avons acquis sur des cultures originales, laissant ainsi le travail de divulgation aux mains des spécialistes de l'exotisme? Est-ce que c'est parce que nous, en abandonnant au fond le jargon de confortable qui est le nôtre et la sécurité des règles de la composition monographique, nous aurions trop peur de dévoiler la fragilité des préceptes scientifiques sur lesquels notre discipline s'est édifiée? Donc c'est toutes ces questions, effectivement, dont j'étais bien conscient lorsque Jean Mallory m'a fait sa proposition. Et lorsque je rédigeais, comme je l'ai dit, ma thèse de doctorat, et c'est l'abîme que je constatais entre la diversité touffue d'une expérience ethnographique encore toute fraîche et l'exercice codifié auquel j'étais en train de me livrer pour gagner mon grade dans la profession, qui me fit accepter la commande que Jean Mallory m'avait passée pour Terre humaine. Et sans renier en aucune façon la fécondité d'une démarche scientifique dont je continue de me réclamer, j'étais saisi par, en rédigeant ma thèse, par l'existence d'un résidu, d'un trop-plein de sens, d'implication personnelle, auquel l'orthodoxie de mon travail ne me permettait pas d'offrir un débouché. Il faut savoir que les règles de l'écriture monographique sont fixées depuis plus de 80 ans et contraignent tout ethnologue qui aspire à se faire reconnaître par ses pairs à un mode d'expression dont il s'imprègne très tôt dans sa carrière. Comment se réalise cette imprégnation? C'est le fruit d'un consensus implicite parce que fondé sur la lecture des aînés. Et donc les jeunes néophytes dans la profession tendent à adopter de manière quasi spontanée un style et des règles de composition qu'ils identifient à un savoir-faire désirable. Et ce processus de reproduction des compétences engendre évidemment une certaine standardisation des formes de description, entraîne l'usage de catégories analytiques communément admises et entraîne l'effacement
du sujet connaissant derrière l'anonymat du sens commun scientifique. Alors, sans doute, une telle normalisation a-t-elle contribué à l'efficacité d'une discipline qui vise à produire des généralisations valides en comparant des données issues de cultures fort différentes. Au fond, qu'elles soient inductives ou déductives, la démarche anthropologique n'est possible que si les éléments d'information qu'elle construit en système sont eux-mêmes déjà découpés, plus ou moins, de manière homogène dans la littérature ethnographique. Sinon, il n'y aurait pas de comparaison possible, parce qu'on ne saurait pas ce que l'on compare. Donc, il y a cette standardisation qui est ancienne et qui a contribué à découper des champs que les gens séparent dans leur monographie. Je ne vais pas rentrer dans le détail des problèmes épistémologiques que cela qui en résulte, mais il faut bien prendre conscience que, au fond, cet effet d'habitude qui est le résultat de la lecture des monographies précédentes contribue à stabiliser un certain style d'exposition. Et pourtant, en proscrivant, jamais de façon explicite, bien sûr, toute référence ouverte à la subjectivité, l'ethnologue condamne à laisser dans l'ombre ce qui fait la particularité de sa démarche au sein des autres sciences humaines. Et c'est quoi cette particularité ? Eh bien, c'est un savoir qui est fondé sur la relation personnelle et continue d'un individu singulier avec d'autres individus singuliers, qui est un savoir issu de concours de circonstances, à chaque fois différent, et qui n'est donc strictement comparable à aucun autre, pas même, à celui forgé par les prédécesseurs de l'ethnologue au contact de la même population. Autrement dit, l'atelier de l'ethnologue, c'est lui-même, c'est les rapports qu'il entretient et qu'il a su établir d'abord avec quelques membres d'une société où il a choisi de vivre. Ce sont les renseignements qu'il rapporte, mais qui sont indissociables des situations où le hasard l'a placé. C'est le rôle qu'on lui a fait jouer, parfois à son insu, dans la politique locale. C'est sa dépendance, plus ou moins grande, vis-à-vis de divers personnages qui sont devenus ses principales sources d'informations, ce qu'on appelle dans la littérature ethnographique les informateurs, pas un terme très élégant d'ailleurs. Et le résultat, au fond, d'une enquête témoigne aussi du caractère de l'ethnologue, de son éducation, de son histoire personnelle, qui ont contribué à orienter son écoute, à définir ses préférences, etc. Donc c'est un constat banal, hein, mais de ce constat banal, il ressort que la connaissance ethnographique n'est jamais reproductible, au sens strict, puisqu'elle est fondée sur une intersubjectivité dont les conditions ne sont jamais identiques. Alors, à la différence de l'historien, à la différence du sociologue, qui font parler les vivants ou les morts selon des protocoles expérimentaux que chacun peut répéter, on peut toujours aller consulter les archives qu'un historien a utilisé, on peut aller consulter les sources documentaires, les entretiens, les statistiques qu'un sociologue a utilisées, eh bien, l'ethnologue demande, lui, qu'on lui fasse crédit de sa bonne foi lorsqu'il prétend tirer d'une expérience unique un ensemble de connaissances dont il demande à tous d'accepter la validité. C'est une prétention exorbitante. Et cette prétention exorbitante ne peut être tempérée que si, au fond, on a le souci d'exposer les situations qui ont rendu possible l'éclosion d'un savoir aussi particularisé.
Or, c'est précisément cela que les préceptes de l'écriture monographique obligent à passer sous silence. En général, dans la plupart des monographies ethnographiques universitaires, disons, et c'est encore un peu le cas maintenant, heureusement ça a changé depuis l'époque dont je parle là du moment où Jean Mallory m'avait proposé d'écrire pour sa collection, donc il y a une 40, que dis-je, c'était dans les années, à la fin au début des années 80, mais encore à l'heure actuelle, on sent une sorte de réticence de l'ethnographe à se mettre en scène autrement, dans des monographies universitaires que par des indications de date, de lieu, en disant j'ai été à tel endroit, à tel moment, je suis resté tant de temps à cet endroit, je parlais plus ou moins bien la langue, ou je ne la parlais pas, j'utilisais des interprètes, enfin toutes sortes de détails de ce type-là, qui sont des automatismes de convention en fond, et qui n'ont pas pour fonction de restituer une expérience singulière, mais qui ont pour fonction d'étalonner la qualité des informations obtenues à la mesure des critères implicitement en vigueur dans la profession. Et hormis cette clause de style, l'évocation des conditions du terrain ne transparaît plus dans la suite du texte que sous des formes allusives, des petites, quelquefois des anecdotes. Évidemment, les choses ont pas mal changé. Je parle encore une fois d'une situation qui était celle d'il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années. Mais la tendance générale continue à être assez de cette nature. Alors, écrire pour un public plus large, comme Jean Mallory m'en fournissait l'occasion, me permettait de réagir contre cet état de fait en s'adaptant à des exigences nouvelles. Rendre à la littérature ethnologique le détail d'un cheminement subjectif qu'un lecteur ordinaire n'aurait pas su reconstituer lui-même parce qu'il n'avait pas lui-même d'expérience ethnographique. Au fond, nous, ethnologues, nous lisons l'ethnographie des autres à livre ouvert, si je puis dire, parce que nous avons déjà l'expérience de l'ethnographie. Et même si les conditions dans lesquelles cette ethnographie a été menée ne sont pas spécifiées, nous voyons très bien à travers les lignes comment elle s'est passée. Le lecteur ordinaire ne le peut pas. Autrement dit, alors que notre discipline semble avoir, à l'époque, semblait avoir déserté les débats contemporains, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, heureusement. Publié dans Terre humaine, offrait l'occasion de rappeler après d'autres, évidemment, que l'ethnologie pouvait à la fois instruire, édifier, distraire, faire œuvre scientifique, bien sûr, et s'interroger sur ses propres conditions d'exercice, retracer, évidemment, un itinéraire personnel, retracer une démarche de connaissance et, naturellement, donner à connaître toute la richesse d'une culture inconnue. Alors, il est vrai que un tel pari s'appuyait sur des précédents remarquables. Les livres que Jean Mallory lui-même, Claude Lévi-Strauss, Georges Condominas, Georges Balandier, Pierre Clastres, pour ne parler que des anthropologues, avaient déjà publié dans la collection Terre humaine, légitimaient mon projet. En offrant la preuve que l'expression d'une sensibilité personnelle ou d'un point de vue militant n'était pas incompatible avec la rigueur scientifique. Donc le problème ne se posait pas sous la forme d'une alternative un peu élémentaire entre les sciences de l'esprit ou les sciences de la culture d'un côté et les sciences de la nature de l'autre, ainsi que Clifford Geertz et George Marcus étaient en train de l'installer dans l'anthropologie nord-américaine à l'époque, c'est-à-dire alternative entre un discours littéraire, subjectif, interprétatif d'un côté, et puis une anthropologie loin de la subjectivité de l'autre. Cette opposition qui a pris corps aux États-Unis et qui, avec le postmodernisme, et qui continue à être extrêmement vivace,
paraissait absurde, paraissait d'autant plus absurde en France, précisément, que certains ethnologues, comme je viens de le mentionner, avaient su faire les deux choses, mais dans des registres légèrement séparés. Donc c'est la tradition française de l'essayisme permet au fond, depuis bien longtemps, aux hommes de science de s'accommoder d'un double langage qui est celui des paradigmes et des concepts de leur discipline, qui sont des instruments d'un savoir spécialisé en constante régénération, et le langage des implications philosophiques et critiques de leur travail, qui sont des outils d'une mise en pratique et d'une mise en perspective, pardon, des valeurs, des principes qui organisent nos comportements. Donc, de ce point de vue-là, Triste Tropique n'est pas contradictoire avec les structures élémentaires de la parenté, de même que l'Afrique fantôme n'est pas contradictoire avec les livres savants que Lyris a consacrés à la langue secrète des Dogons ou au culte de possession éthiopien. Les deux catégories d'ouvrages sont nécessaires et il faut une certaine naïveté pour croire, à l'instar des apôtres de la postmodernité précisément, que les premiers pourraient survivre très longtemps à la disparition des seconds. C'est donc dans cet esprit, et qu'ayant achevé et soutenu ma thèse, qui a été publiée peu de temps après aux éditions de la Maison des sciences de l'homme, j'entreprenais la rédaction des Lances du Crépuscule. Mon objectif était double. D'une part, écrire sur un peuple d'Amazonie qui m'était cher, qui m'avait accueilli pendant plusieurs années, une monographie accessible au plus grand nombre, sans verser pour autant dans la simplification, et d'autre part, amener les profanes à comprendre comment se construit le savoir d'un ethnographe jour après jour sur une société très différente de la sienne. Le premier objectif, à savoir écrire une monographie accessible au plus grand nombre, relève d'une préoccupation qu'éprouve, que devrait éprouver tout ethnologue, car notre métier nous fait encourir une double responsabilité sociale. D'abord vis-à-vis d'un peuple qui nous a accordé sa confiance durant plusieurs années et dont nous pouvons célébrer l'originalité, la contribution qu'il fait au génie de l'humanité avec plus de justesse que les professionnels de l'aventure exotique, et vis-à-vis aussi de nos propres concitoyens qui, en finançant nos recherches par leurs impôts, peuvent au moins attendre de nous que nous leur en fassions mesurer l'intérêt. Donc le devoir de l'ethnologue à l'égard de ces deux communautés rend d'ailleurs le travail malaisé, puisque les attentes des uns ne correspondent pas toujours à celles des autres. Les gens chez lesquels l'ethnologue a vécu souhaitent que leur existence soit reconnue généralement par une société dominante, voire légitimée par la caution d'un livre, que leur culture soit évidemment traduite avec fidélité et même préservée du déclin par la magie de l'écriture. Mais ils ne sauraient évidemment admettre que soit trahi leur secret ou révélé avec trop de crudité certains aspects qui peuvent paraître déplaisants en tout cas, de leur conduite sociale. Donc grâce au progrès de la scolarisation dans les langues véhiculaires, il en est même qui pourront vérifier de visu si l'ethnographe a bien rempli le contrat qui pendant longtemps, il faut le souligner, a été implicite. Maintenant, il est explicite, c'est-à-dire que la plupart du temps, on signe des accords avec les populations chez lesquelles on séjourne. À l'époque où je faisais du terrain, c'était des contrats implicites, ne serait-ce que parce que la population avec laquelle j'ai séjourné était monolingue et ne connaissait pas, évidemment, l'écriture. Et gare à l'ethnologue s'il trahit la confiance des gens chez qui il était,
Non seulement, évidemment, tout retour lui sera impossible, mais dans une époque où, fort heureusement, les populations autochtones ont acquis les moyens de se faire entendre dans les forums internationaux, la nouvelle de son indélicatesse pourra se répandre parmi ses pairs, suscitant l'opprobre et l'ostracisme. Il y a quelques cas, je ne m'appesantirai pas sur eux. Lorsque j'ai écrit les Lances du Crépuscule, à vrai dire, je dois confesser que je n'avais pas dans l'idée que les Atchoirs pourraient me lire dans un passé, dans un futur assez proche. J'ai été détrompé, et cela m'a d'abord, lorsque je suis revenu sur le terrain, évidemment à plusieurs reprises, par le fait que non pas les Lances du Crépuscule, mais ma thèse publiée en espagnol, La nature domestique, je l'avais amenée avec moi et elle a commencé à être lue et commentée par des jeunes scolarisés. Et il y a quelques années, il y a 3 ans, j'ai été invité par des Chouars, qui sont des voisins des Atchoirs et des Atchoirs, à un colloque avec Anne-Christine Taylor, organisé par eux, qui était un colloque de discussion scientifique sur l'anthropologie à la maison, faite à la maison par les Chouars et les Atchoirs, et par des ethnologues venant de loin. Et c'est à cette occasion que j'ai mesuré, au fond, les échos à la fois de nos publications, en particulier des Lances du Crépuscule, et le président de la CONAIE, qui est la Confédération Générale des organisations indigènes d'Équateur qui présidait ce colloque et que j'avais connu comme un petit garçon jouant avec mon fils sur le terrain, m'a fait ce compliment qui m'a beaucoup touché. Il m'a dit « Les Atchoirs, on les connaît grâce à toi ». Et effectivement, rétrospectivement, je me suis rendu compte que j'avais écrit quand même ce livre essentiellement pour un public, pour un lectorat européen, mais que si les Atchoirs y avaient trouvé leur compte, c'est qu'implicitement, je n'avais pas trop manqué la cible. Alors, le lectorat européen, il faut faire très attention lorsque l'on écrit ce genre de livre pour contextualiser les institutions, des coutumes qui peuvent paraître étranges, évidemment, à des gens qui ne sont pas familiers, qui ne sont pas des ethnologues professionnels. Et ces exigences imposent un ton juste qui n'est ni complaisant, ni condescendant. Et c'est une ambition difficile à laquelle toute monographie ethnologique se doit d'aspirer, mais dont la nécessité se fait d'autant plus impérieuse dans ce cas que le nombre et la diversité des lecteurs multiplient les risques de quiproquo. Il faut donc constamment avoir à l'esprit à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise interprétation. Je dis ça tout simplement parce que les Atchoirs étaient des guerriers encore à l'époque, qui pratiquaient la guerre de vendetta, que le taux d'homicide était très élevé, qu'il y avait une certaine brutalité, c'est une société polygame, des maris vis-à-vis de leurs épouses, et que pour mettre en contexte ces situations, il fallait peser au trébuchet les expressions que l'on employait. Mon deuxième objectif, qui était de donner un aperçu de la manière dont un ethnographe acquiert au fil du temps l'intelligibilité d'une culture, visait à éclairer ce qui est au fond le grand angle aveugle de notre discipline. Et il est né d'un malaise que je ressentais déjà lorsque je commençais à étudier l'ethnologie et que j'ai retrouvé ensuite chez mes propres étudiants, à savoir qu'à la veille de partir sur le terrain, personne n'est capable d'expliquer aux doctorants, puisque ce sont en général des doctorants, ce qu'il doit faire au juste ou ce qu'elle doit faire au juste.
Une fois que l'on s'est assuré d'un certain nombre de compétences de base, recueillir une généalogie, faire un plan de village, tenir un journal de terrain avec soin, etc., personne n'est capable d'expliquer exactement ce qu'il faut faire. Que répondre à des étudiants, par exemple, qui vous demandent pourquoi il est indispensable d'avoir fait du terrain avant de se lancer dans de l'anthropologie théorique et comparative. Heureusement, c'est une minorité. La plupart des étudiants sont attirés par l'expérience du terrain plus que par, d'emblée, un grand projet théorique. Celui-ci se dessine en général suite à une expérience ethnographique et alimentée par de très nombreuses lectures. Alors, on peut leur répondre qu'il faut avoir fait soi-même l'expérience de l'apprentissage d'une culture particulière pour décrypter, je l'ai dit tout à l'heure, avec sûreté les écrits des collègues sur d'autres cultures et en mesurer la pertinence de la même façon qu'un historien, par exemple, procède à une critique des sources. Notre critique des sources à nous, ethnologues, précisément, c'est la compétence que nous avons acquise dans une ethnographie, dans un travail d'enquête ethnographique particulier, et auquel nous pouvons soumettre, comme je le disais tout à l'heure, implicitement, l'enquête ethnographique des autres, même si elle n'est pas détaillée dans les publications. Donc il est impossible de répondre, au fond c'est une question qu'on nous pose souvent, j'ai participé à de nombreuses commissions interdisciplinaires avec des biologistes, des psychologues, des archéologues, etc., et des historiens bien sûr, et la question qu'on nous pose toujours, c'est quelle garantie de vérification apportez-vous ? Par quel mécanisme vous sentez-vous autorisé à passer du singulier au général ? De situations très particulières que vous avez expérimentées, que vous décrivez, aux propos généraux que vous développez dans vos publications. Et ma propre expérience de terrain, mais celle qui m'est familière par la lecture des autres, et commencé par celle après de mes étudiants, m'a convaincu qu'il était impossible d'apporter une réponse formelle à ce genre d'interrogation, puisque, au fond, chaque ethnologue bricole son savoir dans son atelier solitaire, avec les éléments disparates que les circonstances lui proposent. Donc, pour écrire un livre de ce type-là, c'est-à-dire accessible à un grand public, pour faire comprendre cette bizarrerie de notre métier, c'est-à-dire comment, dans des circonstances tout à fait singulières, nous arrivons à proposer quelques propositions générales sur un collectif dont nous ne saisissons que des aspects très particularisés, eh bien, il faut justement particulariser. Il faut particulariser, c'est-à-dire il faut donner des idées, des astuces auxquelles le bricoleur sur le terrain recourt en retraçant les tenants, les aboutissants de quelques temps forts de ce processus de découverte que l'enquête ethnographique met en branle. Et j'ai été d'ailleurs surpris quand je me poser tous ces problèmes d'écriture des Langes du Crépuscule, qu'on l'ait jusqu'à présent si peu tenté. Les mémoires de terrain, que certains d'entre vous connaissent, que les anglo-saxons, tant les anglais que les américains, ont su élever à la hauteur d'un genre, fourmillent de notations pertinentes, de traits ironiques, sur les erreurs, sur les insuffisances, sur les quiproquos du narrateur. Je pense particulièrement ici à des livres comme « Un anthropologue en déroute » de Nigel Barley, mais aussi à un grand livre qui est « Return to Laughter » d'Eleanor Smith Bowen. « Aimable sauvage », publié dans la collection de Jean Mallory, de Francis Huxley, ou « The Savage and the Innocent » de David Mabry Lewis. Là, c'est vraiment un deuxième livre, si vous voulez. David Mabry Lewis, une des grandes figures de l'américanisme. Il a étudié une société du Brésil central qui s'appelle les Aquachavante. Il a écrit donc une monographie, qui est une des premières monographies, sur l'organisation sociale d'un groupe du Brésil central qui s'appelle la Aquachavante Society,
et The Savage and the Innocent, c'est un livre intéressant parce que c'est la dimension personnelle de cette affaire. Mais les deux sont complètement découplés. C'est-à-dire le processus de connaissance, comme dans ce livre, comme dans les autres que je viens de citer, n'est jamais présent. C'est une série d'anecdotes sur le terrain. Donc c'est des contrepoints plaisants à l'expérience du terrain, mais qui s'attardent rarement sur l'enchaînement de hasards, de circonstances, d'intuitions, de ruses parfois, qui permet à l'ethnographe de se forger la compréhension d'un événement, d'une situation, d'une institution, etc. Il me semble que les récits d'échecs, et je pense ici évidemment à l'un de ceux-là qui est très réussi, c'est Un riche cannibale de Jean Monod, sont plus informatifs de ce point de vue-là, puisqu'ils tracent à contrario les conditions d'un cheminement intellectuel. Donc, j'avais deux buts à atteindre en écrivant Les Lances du Crépuscule, faire visiter notre atelier, tellement particulier, d'ethnographe, et faire apprécier à tous l'intérêt des modèles que nous nous efforçons de dépeindre. Deux buts à atteindre et qui ouvraient donc un vaste chantier. J'ai mis presque 10 ans à achever ce chantier en faisant autre chose. J'étais enseignant à l'École des hautes études en sciences sociales, donc j'avais des séminaires et d'autres activités que d'écrire pour la collection Terre humaine. Et durant toute cette période, Jean Mallory m'a apporté un soutien constant, avec une équanimité admirable, en tout cas sans jamais manifester d'impatience. Il accueillait placidement chacun de mes messages dans lesquels je lui faisais part de la lenteur de mes progrès et lui annonçait qu'il faudrait attendre encore un peu. Et ce qui est rare chez un directeur de collection, ce qui est encore plus rare, c'est que lorsque je lui ai remis le manuscrit, il l'a lu rapidement, ce qui n'est pas le cas de tous les directeurs de collection, et il n'a fait qu'un commentaire, « Vous devriez parler un peu plus de vous ». Alors, je n'ai pas suivi son conseil, car j'avais déjà dû forcer ma pudeur pour écrire Les Lances du Crépuscule, et je n'étais pas prêt à aller plus loin. Alors, évidemment, les buts, on l'a vu, que je m'étais fixé en écrivant Les Lances du Crépuscule, rendait inévitable que j'y livre un peu de moi-même et de mon séjour sur le terrain et aussi des relations que nous avions, ma compagne et moi, sur le terrain, puis nous avons fait ce terrain à deux. Mais le malaise que j'éprouvais à en dire plus sur ce chapitre ne tient pas uniquement à une question de tempérament. S'il m'a été pénible de sortir de la réserve où j'avais jusque-là trouvé refuge, c'est aussi, au fond, pour revenir à ce que je disais au début, en raison du dressage intellectuel que l'ethnologie nous inculque, elle nous conduit, au fond, à admettre comme légitime l'expression d'idées personnelles, pourvu qu'elles soient entourées de l'appareil analytique et critique qui les situe au sein d'un débat théorique reconnu. Autrement dit, vous pouvez polémiquer, entrer dans des controverses quelquefois extrêmement vives, ça nous est tous arrivé, à condition qu'elles soient situées à l'intérieur d'un cadre théorique spécifique. En revanche, ce même dressage tend à nous faire proscrire toute référence aux circonstances existentielles qui ont contribué à susciter en nous ces idées. Et donc, une sorte d'atavisme contraint à suspendre notre plume dans la neutralité des discussions scientifiques et nous condamne à aller à contre-courant de tout ce que nous avions tenu pour respectable dès lors que nous souhaitons seulement montrer que l'enquête de terrain ethnographique, d'où l'ethnologie tire pourtant les matériaux de ses inductions, est d'abord une expérience singulière de la diversité d'autrui. Donc c'est grâce à Jean Mallory que j'ai pu surmonter les réticences
à parler de moi, et parce que d'autres ethnologues et d'autres grands voyageurs qui m'avaient précédé dans la collection et à qui je vouais une grande admiration avaient su le faire avant moi. Jean Mallory, bien sûr, Lévi-Strauss, Condomina, ces gens que j'ai cités tout à l'heure, mais aussi Ségalen, Clastres, La Carrière, Thesiger et bien d'autres. Et c'est l'occasion, au fond, puisque je cite tous ces noms, de revenir en guise de conclusion sur le caractère absolument singulier de Terre humaine, sur lequel d'autres contributeurs plus qualifiés que moi apporteront sans doute après moi leur éclairage. Quand j'ai commencé à écrire Les Lances du Crépuscule, la collection était déjà forte d'une quarantaine d'ouvrages. Je les avais presque tous lus et je me mesurais bien, et je mesure encore mieux maintenant, que c'était une entreprise sans équivalent dans l'édition mondiale. Avec le recul, je confirme que cette position s'est confortée. Si on compare, par exemple, avec ces, j'allais dire presque ces recueils d'anecdotes, ce serait un peu injuste, mais ces récits de terrain que j'évoquais tout à l'heure, qui sont caractéristiques du monde anglophone, et qui sont au fond des amplifications de ce que les Anglais en particulier ont réussi parfaitement, mieux peut-être que les Français, à savoir la littérature de voyage, ces recueils d'anecdotes, disons, ne correspondent évidemment pas du tout à l'esprit de la collection que Jean Mallory avait créée. Au fil du temps, et en dépit de la diversité très grande de ses auteurs, Terre humaine en est venue à incarner en France une sorte de genre narratif à part entière, en même temps qu'un courant de pensée original, quoique diffus, difficile à définir, et d'autant plus difficile à définir justement qu'il est composé d'auteurs extrêmement différents. On pourrait dire que c'est les goûts de Jean Mallory, au fond, que c'est ce que Jean Mallory apprécie dans la description de la diversité du monde. Et depuis le premier volume qu'il a signé, lui-même, les derniers rois de Tulé, Mallory s'est attaché avec un flair extraordinaire à explorer toutes les facettes de la littérature du réel, à savoir la description du réel, mais dans une langue qui la rende non seulement accessible, mais aimable. À travers des chroniques ethnologiques, à travers des histoires de vie, à travers des autobiographies, à travers des enquêtes, à travers des récits de voyage, et dans un ensemble où, comme vous le savez, la parole est donnée aussi bien à des savants, à des écrivains réputés, à des témoins beaucoup plus anonymes de culture européenne, mais aussi de culture beaucoup plus lointaine et en voie de marginalisation. Donc le mineur du Nord côtoie le Victor Ségalen, l'instituteur d'Anatolie succède à Margaret Mead, et on peut continuer à l'infini cette série de contrastes qui rend cette collection tout à fait singulière. Près de la moitié des titres sont des traductions, parfois de classiques, mais c'est souvent des ouvrages qui, dans leur langue d'origine et leur pays d'origine, étaient passés inaperçus et qui, grâce à la traduction dans la collection Terre humaine, ont connu l'audience qu'ils méritent, et quelquefois rétrospectivement dans leur pays d'origine. Et des multiples talents de Jean Mallory, sur lequel on va continuer à parler ce matin, je crois que c'est ce goût très sûr dans le choix des auteurs de sa collection qui me frappe le plus. Je ne dis pas ça parce qu'il m'a choisi, mais si l'on regarde avec objectivité, je crois que c'est une centaine de titres maintenant dans cette collection, c'est ça qui frappe le plus.
chez un savant qui, à juste titre, et nous le savons, témoigne d'une claire conscience de l'importance de son œuvre, on ne peut qu'être frappé par cette humilité de Jean Mallory lorsqu'il choisit des auteurs dont le style, dont les options, dont la personnalité sont parfois aux antipodes des siennes. Et donc, il faut lui faire cet immense crédit que son jugement n'est jamais obscurci par des préjugés ou par le désir de créer une école de pensée. On a quelquefois dit que la Terre humaine, c'était une école de pensée. Je crois que ce n'est pas juste. C'est, encore une fois, le reflet des choix moraux, intellectuels et littéraires de Jean Mallory, plus qu'une école de pensée. Et ce grand personnage est tout entier guidé, au fond, par la volonté de donner à connaître, comme on ne l'avait jamais fait auparavant, dans une collection, la richesse et la diversité des façons de vivre la condition humaine. Et il faut, pour cela, lui en être très reconnaissant. Merci. Je me suis un peu étendu, je dois dire. Merci beaucoup. Avant d'ouvrir les questions à la salle, je voulais vous demander, puisque vous avez parlé de votre maître Claude Lévi-Strauss, il a évidemment lu « Les lances du crépuscule ». Quel a été son ressenti, lui, qui avait déjà franchi la limite de la vulgarisation, si on peut dire, dans élitiste, mais vulgarisation dans Terre humaine avec son propre ouvrage. Quel a été son ressenti du vôtre? Alors, il a été tout à fait différent non pas du maître de Lévi-Strauss, puisque vous savez, Lévi-Strauss s'est formé lui-même, d'une certaine façon. Mais la grande figure de l'américanisme dans les années 50, 45 ans, et même auparavant, bien sûr, c'était Rivet, Paul Rivet. Et après la publication de Triste Tropique, Paul Rivet recevait au Musée de l'Homme, dans cet immense appartement qu'il y avait sur la terrasse du Musée de l'Homme, tous les mercredis, si mes souvenirs sont bons, tout le gratin de l'américanisme, y compris des jeunes chercheurs qui venaient d'Amérique latine. Et il a fermé sa porte, parce que trouvait que c'était un savant, on ne pouvait pas se permettre d'écrire un livre comme ça. Lévi-Strauss, sa réaction a été tout à fait différente. Il m'a dit que j'avais eu raison de le faire, il m'a loué pour le livre, et ça faisait partie des choses qui étaient pour lui assez normales de faire, au fond. Donc ça s'est très bien passé. Et est-ce que Mallory vous a fait réécrire? Vous avez dit qu'il n'y avait quasiment aucun commentaire. Non. Il ne s'est pas impliqué dans l'écriture Non, pas du tout. D'accord. Non. Copie parfaite dès le début. Oui. Bravo. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle pour Philippe Descola? Jean-Mallory, vous n'avez pas proposé d'en faire un deuxième? Non. Mais peut-être se disait-il que, comme j'avais mis 10 ans à faire le premier, c'était un peu inconsidéré de me le proposer d'en faire un deuxième. Il vit toujours, il aurait eu le temps de le voir. Vous avez même eu le temps. Absolument, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je pense que c'est ce genre de... Le deuxième livre, pour reprendre encore une fois la formule de Deben, ça doit rester, sinon un deuxième livre. En tout cas, je ne pense pas qu'on puisse indéfiniment... Je pense qu'il faut... vous connaissez un peu mon œuvre, et donc j'ai essayé de varier les régimes et les domaines d'intérêt. Voilà. Le premier se satisfaisait au fond du satisfaisait en tout cas au projet que j'avais formé pour lui. Et est-ce que vous avez proposé des ouvrages, des titres à Jean Mallory pour la suite? Alors là, c'est une déception parce que je lui ai proposé quelques ouvrages et en fait, il y en a qu'il a préfacé chez un autre éditeur, qui sont des traductions de certains de ses livres, qui sont un peu différents de ce que j'évoquais en parlant de recueil d'anecdotes, en particulier un livre
que j'ai découvert en anglais, au Brésil, où on me l'avait prêté, de Lucas Bridge. C'est Outermost Part of the Earth, qui est sur la Terre de Feu. Lucas Bridge était le fils du fondateur d'Ushuaïa, de la mission d'Ushuaïa. Et c'est un livre extraordinaire, parce que c'est une chronique au quotidien de ses rapports avec les Selknam, avec les populations à la fois de la Terre de Feu et les populations côtières, Kaweska, etc. Et c'est absolument prodigieux, parce que c'est vraiment une ethnographie directe, hein, c'est pas du tout un savant, mais qui donne, avec une vivacité prodigieuse, l'impression de ce qu'était la vie à cette époque, c'est-à-dire un peu avant la Première Guerre mondiale. Alors, c'est une bonne question, on va dire. C'est une très bonne question, même. La nature des productions scientifiques de l'ethnologie a varié au fil du temps avec, tout simplement, les transformations des populations que les ethnologues étudient. Et pendant longtemps, ces populations étaient des populations lointaines, dans les empires coloniaux, d'abord, et ensuite, dans des régions du monde où le néocolonialisme était présent, mais n'avait pas trop fait de laisser de traces. Et donc, une monographie, c'était pour l'essentiel la tentative de décrire la totalité d'une société qui n'avait jamais été décrite auparavant. Et beaucoup des... Je pense, donc, si on regarde les je sais pas, Clastre, par exemple, la chronique des Indiens Guayaki, ou... Pour les Amériques, c'est très souvent le cas, ou pour d'autres régions du monde. Mais cette situation, évidemment, a changé. Avec la multiplication des travaux ethnologiques sur une même société, de sorte que c'est un genre qui, au fond, était encore dominant lorsque moi-même j'ai fait ma thèse. Les Achuar n'avaient jamais été décrits auparavant, par exemple. Donc, lorsqu'il fallait faire une monographie sur les Achuar, il fallait parler de tout, de la parenté, de la façon de leur rapport aux non-humains, etc., etc. Mais c'est une situation qui, évidemment, a changé, de sorte que maintenant, on a de moins en moins de monographies. C'est peut-être pas une mauvaise chose, d'ailleurs. Et on a de plus en plus de travaux... qui sont quelquefois des thèses, donc des travaux très conséquents, mais qui portent sur un aspect seulement d'une culture. Ce qui me frappe, moi, comme directeur de thèse, j'en ai dirigé plus de 60 au fil des années, c'est que, de plus en plus, par exemple pour l'Amérique du Sud, notre génération, évidemment, apprenait la langue vernaculaire, parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen, personne ne parlait espagnol. Mais maintenant, la jeune génération qui pourrait faire l'économie de cela, puisque les langues véhiculaires sont maintenant très bien répandues, a au contraire mis l'accent sur l'analyse linguistique, l'analyse morphosyntaxique et l'analyse de la pragmatique, c'est-à-dire des conditions d'usage de la langue. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, et pourquoi ? Parce que précisément, certains pans, au fond, de ces sociétés ont disparu. Elles ne sont plus... Les sociétés que les gens de ma génération ont connues sont des sociétés qui vivaient selon leurs propres, pour certaines, en tout cas, selon leurs propres règles. Et c'est une situation qui, maintenant, est devenue moins commune. Une autre question ? Pardon, excuse-moi, juste avant que tu parles, on a un horrible Larsen. Ah, oui. Ah voilà, alors on me demande de parler dans le micro. Oui, on a un horrible Larsen, merci. Je ne sais pas si ça vient de vous, mais c'est assez désagréable. Vas-y, on t'écoute. C'est bon ? Ok.
Oui, je voulais vous poser la question un peu de la procédure d'écriture, puisque effectivement, ce sont des, je vais me lever parce que je ne vous vois pas. Ouais. Ce sont des formats où effectivement, à la fois le format et les attentes du public, il y a cette attente par rapport à l'intimité, de découvrir un petit peu la machine de l'enquête, comment se construit l'enquête ethnographique, et du coup à partir d'une subjectivité qui est celle de l'enquêteur. Et c'est ce qui fait un peu la marque de fabrique de souvent de ce deuxième livre et qui intéresse le grand public. Et en même temps, pour avoir moi-même fait une ethnographie, je sais que quand, dans les journaux de terrain sont très intimes. Et du coup, je me demandais comment vous aviez travaillé, fait le départ, le tri dans ces matériaux qui sont parfois très intimes et qu'on n'a pas nécessairement envie de rendre public, de publier. Et en même temps, de répondre à cette demande qui est celle de donner l'enquête et l'enquêteur à voir. Ah, j'ai une bonne question aussi qui prendrait très longtemps. J'évoque un peu cette question dans un post-scriptum au Lance du Crépuscule sur les techniques d'écriture, justement. Au fond, les cahiers de terrain, effectivement, c'est la base. C'est ce qui permet de se remémorer des situations dans lesquelles on était. Qui fait ressurgir des odeurs, des bruits, des sons, des circonstances. Mais la construction du livre, moi je l'ai choisi tout simplement chronologique. C'est-à-dire, mon ambition, je l'ai dit tout à l'heure, c'était de donner à comprendre comment progressivement, à partir d'une situation d'écart maximal, des gens dont on ne connaît pas, dont on ne parle pas la langue, qui vous accueille avec pas mal de circonspection au départ, on finit par se former une idée, au fond, de ce qu'ils sont, de leur culture, de leur façon de penser, de leur façon d'agir, à tel point que le terrain, le premier terrain en tout cas, se termine quand on a tout d'un coup un sentiment que on a sinon tout compris, mais qu'en tout cas, on n'a plus grand-chose à apprendre. Ce qui, évidemment, est faux, parce qu'il suffit de revenir pour s'apercevoir qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et cette façon de procéder chronologiquement permet de faire comprendre comment, tout d'un coup, une situation entrevue par hasard, un échange, un dialogue entre deux personnes auxquelles on ne participe peut-être même pas, vous fait comprendre quelque chose et vous permet de progresser dans la connaissance d'une culture. Et cela, ça m'avait beaucoup frappé. Quand je suis revenu du terrain, j'étais passé quelques mois à l'université de Cambridge où j'avais été accueilli au King's College. Et là, j'avais eu la chance de pouvoir parler avec des grandes personnalités de l'anthropologie anglaise, en particulier Edmund Leach, bien sûr, mais surtout Meyer Fortes, qui était un homme charmant. Meyer Fortes, c'est une des grandes figures de l'anthropologie britannique, et il m'a expliqué les conseils que Malinowski lui avait donnés avant de partir sur le terrain. Donc ça, c'est vraiment de la tradition orale. Hein. Malinowski lui avait dit, Malinowski, c'était un aristocrate polonais, avait, disons, pas un rapport très direct ou intime, disons, avec Meyer Fortes, qui était un juif sud-africain. Mais quand même, il lui avait expliqué les conditions du terrain. Il lui a dit, Meyer, dans quelques semaines, vous allez m'écrire en disant, voilà, je suis installé dans tel village, c'est affreux, il fait très chaud, la bouffe est dégueulasse, les gens sont méchants avec moi. Je suis malade tout le temps, etc. C'est normal. Et puis, un peu plus tard, vous allez m'écrire pour me dire, bon, les choses commencent à s'améliorer. Je commence à avoir des informateurs, je recueille des données, etc. C'est bien. Et puis, vous allez me tenir au courant de votre enquête, du développement de votre enquête. Et puis, dans un an, vous allez m'écrire en disant, voilà, tout va bien, j'ai à peu près tout ce dont j'ai besoin, je vais revenir. Et dans un mois et un an, vous allez m'écrire en me disant, monsieur le professeur, il faut que je reste parce que je n'ai rien compris. Eh bien ça, c'est le déroulé absolument
systématique de toutes les enquêtes ethnographiques. C'est pour ça que la durée compte, c'est ça. Une enquête de 2 mois, de 3 mois, dans un contexte en particulier monographique, ne permet pas de comprendre grand-chose à ce qui se passe. Donc c'est la durée qui compte. Et c'est pour ça que j'ai voulu, à partir des cahiers de terrain, construire, mais de façon assez poussée quand même, la façon dont se découvraient progressivement des choses au fil du terrain. Merci beaucoup à vous. Ultime question de Mayra Muchnik, et ensuite on va passer à la table ronde. Alors, oui, bonjour. J'ai une question, parce que alors, bon, j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. Alors, sur le grand partage que vous faites entre donc l'écriture, effectivement, plus objective, scientifique, etc., et la question de la subjectivité, et j'ai cru comprendre que vous disiez que les anglo-saxons s'en sortent un peu mieux que nous, de ce point de vue-là. Alors, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'à la fois dans l'histoire... des productions écrites et la situation actuelle, les anglo-saxons ont plus de facilité pour brouiller les frontières ou en tout cas pour produire. Voilà. Alors je voulais savoir si déjà j'avais bien compris voilà. Et est-ce que vous aviez un début d'explication pour cette. Voilà. Alors, oui, il faut nuancer. Jusqu'à, jusque dans les années 70, il y a dans le monde anglophone exactement le même genre de division qu'il y a en France, sauf que le deuxième livre n'y est pas tout à fait de la même nature que le deuxième livre en France. Ce sont, je l'ai dit, plutôt des recueils d'anecdotes qui sont très plaisants, etc. Mais il y a vraiment une séparation entre la monographie scientifique d'un côté et le récit de terrain de l'autre. À partir des années 70, il y a le grand mouvement débuté par Geertz, Marcus et les autres, qui considèrent que l'ethnologie n'est pas une science explicative, mais une science interprétative, et que c'est donc un genre littéraire parmi d'autres. C'est à ce moment-là qu'au AAA, le congrès annuel de l'Association américaine d'anthropologie, on décide, on vote que ce qui est vraiment se tirer une balle dans le pied, que l'anthropologie n'est plus une science. Et donc, ce mouvement s'est considérablement développé tout au long des années 90 jusqu'au début du troisième millénaire. Le résultat maintenant est un peu différent. C'est-à-dire qu'il y a, au fond, il y a deux tendances. Il y a des gens qui continuent à faire de l'ethnographie assez positiviste, pour dire les choses franchement, mais dans lequel, par exemple, au début, il y a toujours une sorte de scénette locale. On dit, il se passe telle chose, alors j'étais dans telle circonstance. Donc, la subjectivité de l'auteur vient, et puis après, il y a 30 pages, si c'est un article, de considérations assez positivistes. Et c'est la même chose aussi pour les monographies. Ce qu'il y a de nouveau, je pense, c'est dans le monde anglophone, les terrains multisitués, qui, au lieu de suivre la voie de la monographie classique, évidemment, l'exemple qui vient immédiatement à l'esprit, puisque c'est une très grande réussite, c'est les livres d'Anat Singh, c'est le fait de suivre un phénomène, un processus, dans différents points du monde où il prend une expression différente, et comprendre les réseaux qui se tissent entre ces différents points du monde. Donc ça, c'est vraiment la grande nouveauté, je crois, qui commence aussi à être exploitée en France. Mais pour le caractère, comment dire, j'ai une étudiante qui est une jeune femme tout à fait remarquable, qui a écrit un
qui a publié sa thèse sur les Gwich'in en Alaska, et puis après qui a fait du terrain au Kamtchatka, chez les Evens, et à qui il est arrivé une terrible mésaventure. Et elle a écrit un livre dans une collection qui n'est pas du tout une collection ethnologique, une collection littéraire, pour essayer de dire quelque chose de cette mésaventure. D'exorciser, presque. D'exorciser, oui, c'est ça. Et on lui a fait payer très cher. Voilà. Oui. Donc ça continue. Natacha Martin, pour ne pas dire ça. Ça continue. Non, je me demandais si c'est pas je sais pas, une question dans l'enseignement même de l'anthropologie. Est-ce qu'il ne faudrait pas instaurer des ateliers d'écriture? Oui, tout à fait. Mais absolument, c'est une très bonne idée. C'est des ateliers d'écriture et d'interprétation. J'avais fait ça à une époque, parce que l'écriture est indissociable aussi des styles interprétatifs. Et donc donner comme tâche, par exemple, à des étudiants de décrire une interaction simple, hein, tout à fait caractéristique à une caisse de supermarché, dans le style marxiste, dans le style freudien, dans le style structuraliste, etc., etc., et dans le style terre humaine aussi. Et ça permet une maîtrise et une distance vis-à-vis de ce que l'on écrit beaucoup plus grande que le simple enseignement des grandes idées et des grands noms de la discipline. Merci beaucoup. Je vais vous remercier à nouveau, Philippe Descola, et je vais proposer de passer à la table ronde autour des cahiers de Lerne en appelant à cette table Pierre Aurégan, Yann Borm et Anne-Marie Bidot, s'il vous plaît. Prenez place, je vous en prie. Comme tu veux. Anne-Marie au milieu, peut-être ? Si tu veux. Je vous présente Pierre Aurégan. Bonjour. Qui est agrégé de l'université, qui est un des deux co-responsables des cahiers de Lerne, Jean Mallory. Cet ouvrage, qui est paru maintenant il y a quelques mois, qui est disponible à la librairie du musée. Également, il est l'auteur d'un premier bilan d'état et d'un constat, si je peux dire, autour de la collection Terre humaine, qui s'appelait « Des récits et des hommes, Terre humaine, une collection ». Yann Borm, sur ma gauche, professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. C'est le directeur de l'Institut de recherche arctique Jean Mallory, Monaco UVSQ. Je vous avais accueilli, je crois, récemment une donation extrêmement importante de Jean Mallory pour une fondation qui est en cours d'organisation et de mise en place à Monaco, également sous l'égide de l'UVSQ. Vous allez nous en parler certainement, du moins je l'espère, et également vous étiez co-responsable du cahier de Lerne Jean Mallory que je viens de montrer. Enfin, Anne-Marie Bidot, sur ma droite, merci beaucoup à vous d'être présente avec nous. Vous êtes maître de conférence en civilisation nord-américaine à l'Université de Paris-Ouest, Nanterre. Je vais vous laisser la parole, mais juste avant, je voudrais juste lancer un tout petit peu cette table ronde et que vous nous expliquiez dans quelles circonstances s'est décidé ce cahier de Lerne autour de Jean Mallory. Cahier de Lerne, c'est un peu une sorte de pléiade, en tout cas de recueil, de mise en avant et de consécration, le plus souvent, on l'espère, de leur vivant, parfois post-mortem. En l'occurrence, là, ça s'est fait du vivant et on en est bien heureux. Pourquoi avoir choisi Mallory? Comment ça s'est fait? Comment avez-vous présenté ce projet? Et puis, comment s'est faite cette agrégation de textes autour de vous? Certains textes étant des reprises de lettres, de manuscrits, d'autres étant des écrits inédits, et puis d'autres étant des intervenants spontanés autour de cette figure mythique qui est Mallory, l'apprenti chaman, ce qui est un des textes figurant sur le bandeau de cet ouvrage.
Je t'en prie. Ce qu'on va faire, par contre, dans le respect des règles de la Covid, oui. On remet nos masques et celui qui parle le retire, si vous voulez bien. Merci. Oh, tu étais plus rapide avec le masque que moi, donc peut-être je commence à parler. Vas-y. Je suis désolé. Donc voilà, déjà, merci beaucoup à Philippe Charrier pour cette invitation et à Philippe Descola pour cette présentation magistrale. Tout a été dit, on vient toujours trop tard. Donc on aura du mal de rajouter des éléments. On va parler des choses dont nous avions la charge, Pierre et moi, et puis Anne-Marie qui a participé à ce cahier, ainsi que Joël Roskowski qui est présent, Dominique Sewan qui est là également, et peut-être d'autres auteurs que je n'ai pas reconnus sous le masque. Donc c'est une... je pense qu'on vient rarement aux éditions de l'Ain pour leur proposer un cahier, c'est plutôt les éditions de l'Ain qui choisissent des auteurs, si je me trompe, Pierre. Et je pense que Jean-Mallory a été contributeur du volume consacré à Michel Onfray, et les contacts se sont faits comme ça. Et il a été décidé que ça serait une bonne idée d'avoir un cahier Mallory, idée à laquelle nous souscrivons, évidemment. Et donc, il fallait rendre à la fois hommage à l'œuvre mallorienne dans toute son amplitude. Donc, nous avons parlé beaucoup d'anthropologie, mais on aurait pu parler aussi d'ethno-histoire. Vous allez me dire que c'est lié à l'anthropologie de toute façon, mais c'est un autre aspect important de son œuvre. Il y a le géophysicien, il y a l'éditeur, évidemment, il y a l'homme d'action, et ainsi de suite. Donc, l'idée de départ, c'était de rendre hommage à toute l'œuvre mallorienne, donc, et en même temps, Pierre, de rendre accessible cette œuvre à un public intéressé et plus large. Donc on a toujours cette même problématique des travaux scientifiques et leur accessibilité au grand public. Il est vrai que beaucoup de lecteurs, quand ils voient beaucoup de notes de bas de page, en tout cas c'est un préjugé des éditeurs français notamment, quand on voit trop de notes de bas de page, ça exclut un lectorat élargi. Donc voilà, les cahiers de l'Ain jouent un rôle très important, je pense, de médiation, d'œuvres exigeantes vis-à-vis le grand public. Et donc en même temps, il fallait que cet ouvrage reste intéressant et agréable à lire, à feuilleter. C'est quand même souvent aussi pour beaucoup de lecteurs une première approche d'une œuvre qui n'est pas forcément facile d'accès. Donc c'est un peu le rythme qui a déterminé l'organisation des propos, qui commence avec un hommage par son Altesse Sérénissime, le prince Albert II de Monaco. On aura peut-être l'occasion de reparler effectivement de cette importante donation des collections d'articles de Jean Mallory à l'Institut océanographique de Monaco. Et ensuite, une introduction qui essaie de montrer un peu toute l'œuvre scientifique en résumé de Jean Mallory. Donc, il est important de savoir, nous ne l'avons pas dit encore, mais l'occasion ne se présentait peut-être pas, qu'il est quand même, dans un premier temps, géophysicien, enfin géomorphologue de formation. Et donc, il a un regard quand même particulier sur l'anthropologie. Il a pratiqué ensuite le terrain. Et il a écrit beaucoup sur sa façon d'apercevoir l'anthropologie, et je pense que c'est les regards du scientifique dur, entre guillemets, comme on dit à l'université, qui persistent et qui donnent donc des mises en perspective très intéressantes, je pense, parce qu'il est à la fois dedans et à l'extérieur. Et donc, c'est un aspect dont on voulait parler. Et puis, il y a l'écriture. Alors, vous avez dit des choses très intéressantes, Philippe Descola, sur l'écriture. Et je pense qu'on aura peut-être le temps de revenir là-dessus, mais il y a beaucoup à dire. Et les choses évoluent, effectivement. Je souhaite intervenir par rapport à ce que vous disiez sur les monographies. Nous sommes maintenant à une époque où il faut publier de façon tellement rapide dans des revues scientifiques au fort impact. Et que j'ai connu un cas assez absurde à l'Université de Versailles. Un collègue et maître pour moi, Bernard Cotteret, publiait une monographie tous les ans. Et ça venait dans les bibliographies du laboratoire en troisième catégorie. Parce que la première catégorie, la plus prestigieuse, c'est les articles à comité de lecture internationaux. Et donc, il y a comme une course maintenant à publier ce genre d'articles pour se faire remarquer à un niveau international. Donc, les livres dont nous parlions ici, malheureusement, ont une audience scientifique, en tout cas, plus réduite. Voilà, donc ça, c'était peut-être pour une première introduction. Pierre, tu... Oui,
Donc, on a voulu, dans ce cahier de Lerne aussi, c'était insister sur, je dirais, la vocation de Jean Mallory, comment s'est construit biographiquement cette formation, cette ouverture, disons, plus large que sa discipline fondamentale, qui était la géomorphologie, très aride, très mathématisée, très physicienne, et comment il est passé, comme il l'a toujours dit, de la pierre à l'homme. Et donc, on est allé un peu, aidé par lui, par les documents qu'il a fournis, et par nos propres recherches, et les témoignages nombreux de gens qui ont étudié avec lui, travaillé avec lui, aux sources de sa personnalité profonde et de son engagement, et notamment l'expérience fondamentale qu'a été pour lui la résistance, hein, qui a en quelque sorte l'a construit un peu comme une espèce, alors il y a peut-être une posture par moment aussi, mais comme un éternel opposant, comme quelqu'un qui à travers son œuvre allait essayer de résister au rouleau compresseur de l'uniformisation et de la mondialisation, avec évidemment cet épisode fondateur qui va déclencher l'écriture des dernières voies de Tulé, c'est-à-dire cette implantation brutale, sans consultation évidemment du peuple inuit, de la base de Tulé. Voilà. Donc à partir de là, donc cette double expérience, je dirais, historique, puisque bon, il entre dans la clandestinité dès l'année 43, hein, donc il vit en même temps en conflit avec sa famille, qui ne veut plus le recevoir, parce qu'il constitue une menace. Donc il y a toute une structure personnelle qui se met en place. Donc ça, je dirais, c'est remonter aux sources un peu biographiques. Et puis, on a voulu aussi, et c'est pour ça que j'avais demandé à Anne-Marie Bidot, puis il y a aussi voilà, Joël de Rostowski qui est là, c'était montrer comment son œuvre, donc d'abord une œuvre d'arpenteur d'épaule, de géographe pur et dur, va passer donc à, disons, l'ethnologie, une étude qui est le résultat d'une rencontre avec le peuple inuit, et comment peu à peu il évolue d'une écriture ethnographique, comme il le dit, je n'étais pas ethnographe, bon, il m'a fallu apprendre un peu sur le terrain à écrire, à maîtriser cette écriture avec des hauts et des bas. Je pense d'ailleurs pour moi qu'elle s'accomplit parfaitement dans une œuvre qui est peut-être un peu moins connue, mais qui est pour moi très riche sur le plan de l'écriture, c'est Umok. Voilà, qui est vraiment une espèce de récit à la Jules Verne, hein, d'un homme qui tourne autour du monde circumpolaire et qui en rapporte une expérience multiple, un peu à la Jules Verne, avec plein d'informations, plein de documentations, plein d'images, bien sûr, aussi. Et donc, comment il passe cette écriture et il en éprouve en même temps les limites, en se disant, mais je passe à côté, ce que disait Scola, c'est-à-dire la difficulté d'atteindre à cette espèce de vérité intime, intérieure d'un peuple qu'on ne fait toujours que frôler ou peut-être même parfois de rater complètement. Et comment c'est à travers à la fois les images, c'est-à-dire le cinéma, mais Anne-Marie Bidot nous en parlera davantage, la photographie et aujourd'hui, enfin et depuis quelque temps, les pastels, qu'il essaye d'accéder à une autre approche plus intuitif, plus sensoriel, qui court-circuite un peu ce qu'est pour lui la limite au fond de l'écriture. Hein, une écriture qui passe toujours un peu à côté, donc essayer d'entrer dans cet imaginaire des peuples polaires au travers d'autres procédures. Et aujourd'hui, il se consacre essentiellement au pastel, des pastels qui ont été édités d'ailleurs récemment à l'occasion d'un très beau livre qui s'appelle Crépuscule Arctique, qui est un livre magnifique avec un très beau commentaire. Voilà. Alors, je termine juste pour ne pas monopoliser la parole.
Il y a un livre dans la collection qui est un livre qui reflète assez bien, je trouve, justement sa propre réflexion sur l'écriture. C'est Louons les grands hommes d'Adji, qui est un livre clé, phare de la collection, dans lequel Adji, qui est là, ce journaliste qui est envoyé en pleine crise de 29-30 aux États-Unis, et faire un reportage sur les métayers de l'Alabama, qui rencontre cette misère insondable et qui va tenter d'approcher au plus près de ces êtres. Ce qui était au départ un travail de journaliste devient finalement une espèce d'approche humaniste, extraordinaire, faite de lenteur et bouleversante. Voilà. Bon, pour moi, ça résume assez bien ce qu'a essayé de faire Jean Mallory. Et je remercie, je veux passer la parole à Marie Bideau, qui, elle, a travaillé beaucoup sur le rôle de l'image chez Jean Mallory, et qu'elle a développé dans un article du Cahier. Voilà. Je d'accord, Oui, bonjour. Voilà. J'ai eu le grand plaisir d'être sollicitée pour évoquer le sujet du rapport de Jean Mallory aux images, qui est une dimension peut-être moins connue de son œuvre, mais qui pour lui est essentiel parce qu'il a commencé à prendre des photos très tôt, au hasard de ses 31 expéditions sur le terrain, et que pour lui, les images, d'abord les photos puis les films, ne sont pas simplement des compléments de son travail, mais en font partie, constituent également une dimension indissociable. Donc je ne veux pas raconter dans le détail comment je suis arrivée à travailler dans le cadre du Centre d'études arctiques avec Jean Mallory, c'est un peu trop compliqué, mais je travaillais déjà à l'Université de Nanterre sur le cinéma américain de fiction, je suis agrégée d'anglais à l'origine, et il se trouve que le continent américain, nord-américain en tout cas, inclut le Canada et l'Alaska. Donc, travailler sur le cinéma arctique n'était pas complètement bizarre à mes yeux. Et par ailleurs, ce que j'ai apprécié chez Jean Mallory, d'emblée, lorsqu'il m'a demandé de participer à l'équipe du Centre d'études arctiques, c'est d'abord son énergie et puis aussi son rejet des cloisonnements méthodologiques étanches qui étaient souvent à l'œuvre dans les sciences humaines. Et je connaissais bien les problèmes de légitimité des études cinématographiques dans l'université sur le plan classique, puisque c'était à peine considéré et regardé du bout des lèvres comme quelque chose réservé aux incultes. Donc les choses, heureusement, ont beaucoup changé, et c'est pour ça que je voudrais d'abord parler de l'importance donc des images pour Jean Mallory. Et on pourrait dire que le point de départ, tout a commencé lors d'une de ses expéditions avec Paul-Émile Victor en 1948-1949, et s'est transformé en une sorte d'épiphanie esthétique. Il a découvert la baie de Biscoe, donc à l'ouest du Groenland, et il a été frappé par les contrastes entre la couleur de l'eau qui était grise, anthracite, presque noire, et la variété de couleurs des icebergs qui étaient dans des tonalités de blanc, de gris, de bleu, ineffables. Et à partir de ce choc, il a considéré qu'il fallait rendre compte de la beauté du paysage et aussi de l'intérêt que représentaient les Inuits qu'il a rencontrés à l'époque, qui étaient encore couverts de peau de bête. Donc, progressivement, il a fait des photos, et avec des appareils assez simples, en éliminant tout ce qui était flash et zoom, et on pourrait dire que les relations entre les Inuits et lui, en termes de photos, sont passées par trois étapes. La première, c'est la découverte. Il a rappelé constamment, tout au long de sa carrière, qu'il n'était pas ethnologue, qu'il était naturaliste.
et que sa première rencontre avec les Inuits s'est faite sur cette base, sur ces bases. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui se passe en général quand un ethnologue arrive sur un terrain, là, ce sont les Inuits qui ont été intrigués par cet homme blanc, tout seul, qui parlait aux pierres, qui les mesurait, qui s'intéressait aux iboulis et qui leur paraissait complètement farfelu. Et progressivement, une sorte de camaraderie, ils se sont apprivoisés réciproquement. Ensuite, ils sont passés à un autre stade qui est celui de l'entraide, puisque Jean Mallory a eu besoin de la connaissance du terrain des Inuits, de leurs équipements, notamment en traîneau à chien, pour continuer ses mesures de géomorphographe, pour continuer sa cartographie. Et enfin, après des mois et des années de fréquentation, il en est arrivé à une attitude d'empathie profonde qui lui a permis de prendre des photos exceptionnelles. Donc, je vous montre un exemplaire de ce qui a été le résultat de ces photos. C'est un ouvrage magnifique qui est sorti en 2001 aux éditions de La Martinière, qui comprend à peu près 300 photos prises par Jean Mallory et sur un corpus d'environ 16 000 photos maintenant, et peut-être plus. Et ce qui ressort de toutes ces photos, c'est la familiarité, la complicité entre les personnes. Jean Mallory préfère le temps long. Et il a expliqué qu'il détestait les clichés pris, comme les touristes le font, comme ça, à l'improviste, très rapidement. Il lui a fallu 6 mois avant de prendre une photo de son grand ami qui l'a accompagné tout au long de ses expéditions. Et la photo, elle apparaît sur la couverture des Derniers Rois de Tulé. Donc 6 mois d'apprivoisement, de fréquentation. Plus tard, en 1985, lorsqu'il a été instituteur bénévole et volontaire en terre de Baffin, il a attendu 3 mois que les jeunes et les adolescents et les enfants à qui il donnait quelques cours viennent chez lui, le découvrent et s'introduisent chez lui, faisant les premiers pas, en quelque sorte. Donc, je crois que c'est une dimension essentielle, ce respect mutuel et cette connivence qui apparaît constamment. Et pour en terminer avec ce petit sous-chapitre des photos, Jean Mallory a remarqué lui-même que plus le temps passait, plus ces photos étaient sombres, sombres en termes d'atmosphère. C'est-à-dire qu'il a perçu progressivement les dangers auxquels ces populations arctiques, qui avaient été préservées des bouleversements rapides du monde moderne, comment ces populations allaient être bouleversées, probablement déculturées et même détruites. Donc l'inquiétude, l'interrogation qui apparaît dans les regards, par exemple, des personnages, est plus importante, plus fréquente que dans les belles photos, plus épanouies, plus naïves, on pourrait dire, des débuts. Puisqu'on a parlé des photos, peut-être que c'est l'occasion de dire, Yann, où se trouve maintenant ce fonds photographique et en quoi consiste cette très importante donation de Jean Mallory à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et à la Fondation, qui porte son nom à Monaco. Oui, merci. Bon, peut-être pour rajouter une petite remarque par rapport à Louant maintenant les grands hommes. Je suis d'accord que cet ouvrage joue un rôle important dans la pensée mallorienne. Et c'est un ouvrage qui associe deux auteurs, hein, le photographe et l'écrivain, c'est important. Et voilà, donc le rôle des images n'est pas négligé. Anne-Marie vient d'en parler, c'est très important chez Jean Mallory. Il est très visuel d'une certaine manière. Et je pense, si vous me permettez, Louons maintenant les grands hommes, c'est un livre sur l'impossibilité d'écrire avec précision le terrain, en fait. C'est une réflexion magnifique d'un poète, d'ailleurs, qui n'est pas ethnographe professionnel, hein, mais qui est poète et qui éprouve beaucoup de mal à décrire
de manière épaisse, si je peux dire, thick description, ce qu'il a vu sur le terrain, c'est bouleversant. Et Jean-Mallory a réfléchi, continue à réfléchir de la même sorte sur son expérience. Donc, par exemple, pour trouver un nouveau public, les derniers Rois Tullier ont été publiés en version bande dessinée. Et il a activement participé à cette adaptation de son œuvre. Et il a d'ailleurs accepté qu'il y ait des épisodes rajoutés, et notamment cet épisode du Trou Noir, qui couvre les trois premiers mois de son expérience à Tullier, où il avait beaucoup de mal, effectivement, à trouver ses repères. Et il en parle avec une sincérité, une franchise absolument bouleversante. Il donc, était en dépression, d'ailleurs, dit-il lui-même. Voilà. Et je pense que nous aurons d'autres pages là-dessus dans le prochain texte, puisqu'il continue à écrire. Alors, pour la donation, donc, c'est une donation des collections articles de Jean-Mallory, objets, photographies, enregistrements sonores, cahiers de terrain, cahiers de cinéastes, et correspondance avec les auteurs terrimènes, et ainsi de suite, presque toutes ces archives personnelles, à l'Institut océanographique Fondation Albert Ier de Monaco. Voilà. Pour accompagner cette donation, il a été convenu que l'Institut océanographique donne à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines des fonds pour participer à la valorisation des collections donc, qui font l'objet de la donation. Donc, nous allons organiser des cycles de conférences, des colloques, des publications. Nous allons reprendre la revue Internor, que Jean-Mallory a bien voulu me confier. Nous allons la republier, la relancer en format en ligne, ce qui est difficile de nos jours de continuer à publier des revues version papier. Pour toucher le public qui mérite d'être touché par les revues scientifiques, il faut absolument passer en ligne. Donc, ça apporte des changements, mais voilà ce qui est prévu pour aller vite. Et donc, à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, nous avons créé un laboratoire, puisqu'il n'y avait pas d'autre façon de le faire, pour accompagner cette donation. Ce laboratoire, cette équipe d'accueil, s'appelle Institut de recherche arctique Jean-Mallory, Monaco UVSQ, parce que Monaco était effectivement directement associé à la création de cet institut grâce à une convention tripartite entre Jean-Mallory, l'Institut océanographique et mon université. Merci, Yann. Juste pour relancer les questions, je vais aller vers vous, Pierre, justement. Je viens vers vous. Vous avez dit, et c'est même l'épithète qui a été donnée sur le bandeau de ces cahiers de Lerne, que c'était un apprenti chaman. Vous avez parlé des magnifiques pastels qu'il réalise dorénavant, pour lesquels il a écrit un texte en perpétuelle réécriture, ce qui veut vraiment polisser son discours, sa vision, au sens strict du terme, dans le temps qui lui reste. Il a décrit l'allée des baleines, il a une vision qu'il décrit de confucianiste, puis de chamaniste, en tout cas de beaucoup plus pur, dit-il, et de retour aux sources par rapport à sa vision occidentale perturbée par, on va dire, une tradition judéo-chrétienne, qu'il tient certainement de son père, en l'occurrence. Il essaye au maximum de s'en affranchir et de faire un retour aux sources. Et pour lui, il dit que l'ensemble de son œuvre peut être lu, peut être synthétisé dans ses pastels, que ses pastels disent tout en fait de sa propre vision du monde, par ses palettes de couleurs, par cette clarté, par ses reflets. Et il finit ses mémoires, que nous sommes en train d'éditer pour la collection Terre humaine, notamment grâce à vous, merci beaucoup Pierre Horégan, qui paraîtront avant la fin de cette année 2022 chez Plon dans la collection Terre humaine. Eh bien, son retour aux sources, c'est vers les pierres par lesquelles il a commencé au début, avec ses éboulis dans le hogar. Et puis, c'est aussi un retour vers les animaux, notamment vers les chiens de traîneau, avec ce dialogue très singulier qu'il établit avec eux. Donc, j'ai envie de vous poser la question à tous les trois, à cette vision chamanique qu'il a essayé de comprendre, de pénétrer. Est-ce que finalement, il a fini par l'absorber ? Essayez de débuter une réponse. Cette question. À trois, on est plus fort pour répondre. Je profite et j'esquive un peu de la présence de Joël de Roskowski, qui en même temps a une galerie d'art consacrée aux œuvres premières et qui a participé au Cahier de Lerne et qui a écrit un article sur justement les pastels. Et si vous voulez bien dire quelques mots de. Alors, avec le micro, si vous voulez bien. Venez nous rejoindre, madame. Venez vous mettre à ma place.
Vous m'entendez ? Oui. Oui, je suis très heureuse de pouvoir dire un mot des pastels. Donc, je me présente brièvement. J'ai été l'étudiante de Jean Mallory, avec qui j'ai fait une thèse d'État. Et j'ai pu constater, en fait, l'extraordinaire diversité de ses intérêts et de ses capacités, puisqu'effectivement, il est passé de la pierre à l'homme, et qu'anthropologue, il a aussi été photographe, cinéaste, il a été enseignant, il a été, bien sûr, éditeur, et qu'il a marqué, finalement, toutes ces disciplines de sa personnalité de façon tellement forte qu'aujourd'hui, il s'inquiète justement de l'avenir qui va être donné à tout ce qu'il a créé, parce que c'est tellement divers et il a tellement dépassé les cloisonnements idéologiques et disciplinaires, comme nous l'avons dit récemment, que voilà, il attend cette succession. Comment est-ce que nous allons faire honneur à ce qu'il a créé pour nous au cours d'un siècle ? Donc revenons au pastel. Ayant été donc l'étudiante de Jean Mallory pendant des années, il avait ce secret dont il parlait très peu. C'est-à-dire que depuis 50 ans, il faisait des pastels sans en parler parce que, comme il l'a dit, l'art est tellement extraordinaire en Europe, la Renaissance, alors comment va-t-on oser faire incursion dans une discipline où il y a tellement de grands maîtres ? Comme il le dit avec humour, je ne suis pas Picasso, mais voilà un homme qui a une vision du Grand Nord qui est absolument singulière et qui effectivement a connu une épiphanie esthétique à travers les couleurs du Grand Nord et la vision du monde des peuples nordiques. Et c'est donc cette vision qu'il essaye de nous transmettre à travers les pastels, à travers sa fascination pour l'image et pour les couleurs de ce monde qu'il essaye de nous faire découvrir. C'est donc cette passion qu'il a exprimée à travers ses pastels, et c'est pour ça qu'il dit maintenant qu'au fond, à travers le regard que l'on peut porter sur ses pastels, il y a une sorte de synthèse de sa quête profonde. En fait, Mallory a été révélé à lui-même par les Inuits. Il a, comme on l'a dit, été rebelle dans tous les domaines de sa vie. Et donc, voilà que dans les dernières années de sa vie, il est désireux de faire mieux connaître ses pastels. Peu de personnes l'ont accompagné dans la conviction que c'était important. Car il est très, très difficile, effectivement, de le dire qu'on est artiste. On est artiste en même temps qu'ethnologue, on est artiste en même temps qu'anthropologue. Et donc, ces pastels sont demeurés un peu son secret, qu'il a fini par partager avec certains de ses étudiants. Et donc, après avoir été son étudiante et avoir enseigné à l'étude des hautes études, à l'école des hautes études pendant une vingtaine d'années, j'ai ouvert une galerie d'art dans laquelle j'expose l'art contemporain. Et j'ai voulu justement intégrer les arts premiers. Je suis moi-même spécialiste des Indiens des Plaines et j'ai voulu exposer Jean Mallory. Et donc, je lui ai écrit au fil des années, cette galerie est ouverte depuis une dizaine d'années, pour lui proposer d'exposer ses pastels. Et il était hésitant parce qu'il avait une certaine appréhension à l'idée d'être présenté parmi les grands artistes de la deuxième partie du XXe siècle. Et il a fini par accepter. Il se trouve que Jean Mallory est aussi, et on ne l'a pas dit ici, il est ambassadeur de bonne volonté pour l'UNESCO. Dans le cadre de l'UNESCO, justement, il a fait la connaissance de certains grands auteurs, y compris d'un très grand auteur amérindien qui s'appelle Scott Momaday, qui est artiste pour la paix auprès de l'UNESCO, et qui, en même temps qu'un grand poète qui a reçu le prix Pulitzer, est aussi un peintre. Et l'idée que finalement Scott Momaday, Kiowa, peintre amérindien, avait exposé ses peintures, l'a convaincu de faire la même chose. Et donc, dans cette galerie que j'ai créée, qui s'appelle la galerie Oranda, Oranda est un mot iroquois qui veut dire l'esprit. Donc Scott Momaday et Jean Mallory ont été réunis
et leurs œuvres visuelles ont été présentées et ont suscité une curiosité et un intérêt considérable. Et c'est là que l'on voit que Jean Mallory est très lu. Il est encore très lu par les jeunes, il est très lu par un lectorat qui n'est pas un lectorat spécialisé. Et donc, tout ce public a afflué et est venu voir cette exposition. L'UNESCO en a pris le relais et donc des articles ont été publiés sur cette exposition et Jean Mallory a continué donc à produire ses pastels et il y a peu, comme on vient de le dire, un très beau livre de ses pastels a été publié dans lequel une quarantaine de ses œuvres sont publiées avec son texte qui est très beau et le deuxième volume est en cours. Et dans lequel, comme il a été dit, il met l'accent sur sa relation, il revient à sa fascination pour les pierres, et il revient à sa fascination pour le monde animal, et pour le lien entre les différents univers, l'univers humain, l'univers des pierres, l'univers animal, et le dialogue qu'il lui-même a pu établir dans des moments extraordinaires de sa vie, notamment avec ses chiens, qui lui ont sauvé la vie. Et donc, en fait, à travers ces deux recueils de pastels et à travers ce que l'on espère être peut-être des expositions qui auront lieu au cours de cette année, qui est aussi l'année de son centenaire, on espère que grâce peut-être à Yann Borm, qui va faire en sorte que ces pastels puissent être exposés, on va leur donner un véritable public qui va pouvoir les découvrir et découvrir à travers eux cette quête permanente de cette épiphanie esthétique dont parlait Anne-Marie Bidot. Je voudrais juste rajouter quelques mots à propos des films de Jean Mallory qui sont, comme on le sait maintenant, très connus, archivés et qui ont été numérisés par l'INA, remontés. Ça serait trop long d'en donner le détail, mais qui témoignent d'une dimension essentielle chez Jean Mallory, c'est l'homme engagé. Parce qu'il a commencé à faire des films. Les premiers, c'est les derniers rois de Tulé, qui sont très proches de son livre. Mais ensuite, il a réalisé 7-8 films à l'époque de ce qu'il appelle la période charnière des Inuits, au moment où on peut déjà déceler les transformations à l'œuvre dans des civilisations traditionnelles sous l'effet du capitalisme marchand, sous l'effet du progrès technologique et de tous les changements qui y interviennent, y compris par exemple sur le plan alimentaire, les Inuits devenant édentés à force de manger des nourritures molles comme celles des Américains mangeant des hamburgers. Donc il a perçu que c'était un moment essentiel dans la vie des Inuits et qu'il fallait absolument l'enregistrer. Donc il a fait des films qui ont été ensuite remarquablement diffusés par l'ORTF, qui était le premier producteur. Et dans ces films, il porte déjà un jugement très inquiet sur le devenir des Inuits en montrant comment leur environnement naturel est pollué. Il a été un des tout premiers à parler des risques climatiques qui pouvaient détruire l'environnement et la civilisation inuite et qui, hélas, se confirme d'année en année. Il a montré comment aussi les changements de structure matériel, par exemple l'imposition des villages avec des rues rectilignes, avait complètement disloqué la structure plutôt, disons, sphérique des petits villages inuits. Et puis comment l'intervention du commerce des fourrures, de l'importation de tout ce qu'on pouvait trouver à acheter dans les comptoirs, étaient en train de faire perdre leurs racines et leur culture aux Inuits. Donc les images filmées ont contribué à transmettre
cet appel à la résistance qui est au centre de son œuvre, et en même temps à faire un diagnostic très inquiet, mais très précis, de ce qui était en train de se passer et qui s'est confirmé, hélas, dans les décennies suivantes. Petite parenthèse. Oui. Alors, l'Institut est en train de préparer une nouvelle exposition sur 2 ans dédiée aux espaces polaires. Et dans le cadre de cette exposition, on verra les objets de la collection, effectivement. À Monaco, donc. Je veux juste ajouter que plusieurs musées se sont intéressé en fait au pastel de Jean Mallory. En fait, il y a une sorte de curiosité et d'intérêt qui se manifeste aujourd'hui de la part de diverses institutions. La question est de trouver le meilleur cadre en fait pour leur donner une véritable visibilité avec les ouvrages au fait qui sont associés sur lesquels Jean Mallory travaille actuellement. Vis-à-vis des cahiers de l'air, sur les contributeurs. Peut-être une remarque encore, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup, c'est une tendance actuelle dans l'anthropologie aussi, ce qu'on appelle advocacy anthropology, c'est-à-dire les ethnologues sont amenés de plus en plus à jouer défenseur des communautés qui décrivent. Et comme vous évoquiez la chaire UNESCO, c'est un aspect important de l'œuvre de Jean Mallory aussi. Donc on a parlé de ses fonctions d'instituteur volontaire. Il a créé une académie pour former des élites, comme il dit, autochtones en Russie. Bon, il y a toute une problématique là qui est importante dans son œuvre. Et donc, c'est la partie homme d'action qu'on a essayé de montrer aussi dans le cahier, qu'il ne faut pas oublier. C'est très important pour lui, il en parle tout le temps. Chaque fois que je le vois, il dit, mais ça marche l'académie, qu'est-ce qu'on peut faire enfin. Et comme pour tous ceux qui sont impliqués dans ce genre de projet, on a un master chez nous dédié aux études arctiques. Et l'idée, c'était au départ en fait, de recevoir les étudiants autochtones. On sait très bien que c'est très difficile de rendre accessible l'enseignement supérieur, notamment à ces communautés. Donc il y a toute une réflexion à mener en ce sens-là. Et son œuvre est très importante par rapport à ça, parce qu'il a pris beaucoup d'avance dans ce domaine, je pense. La formation des élites autochtones, en fait, qu'il a beaucoup favorisé en Russie. Et donc c'est quelque chose qui est unique aussi, en fait, parmi ce qu'il a fait. Dénoncé, en fait, Jean Mallory a vraiment dénoncé un enseignement dénaturalisant des communautés autochtones, tel que ça s'est produit au Canada, par exemple, ayant poussé une importante partie de la communauté à des suicides pour la jeune génération qui était privée de son enseignement traditionnel, de ses racines, de sa culture, et qui ensuite, revenant dans la communauté d'origine, était totalement étrangère à sa propre culture. Et ça a été dénoncé dans plusieurs articles qui ont été publiés dans des revues biomédicales, en l'occurrence, autour d'épidémies de suicide chez les peuples dits autochtones. Il a voulu, lui, prendre une inflexion radicalement différente, qui était celle d'une éducation, d'un enseignement dans le strict respect des cultures d'origine. C'est ce qu'il a fondé, comme tu le disais, Yann, à Saint-Pétersbourg, avec cette académie polaire, destinée principalement à ce qu'il appelait une élite des communautés autochtones, donc des personnes jeunes, idéalement, choisies par la communauté autochtone elle-même, qui envoyaient ces sortes d'ambassadeurs pour la génération suivante, pour la sauvegarde autant des ressources naturelles que des ressources intellectuelles. Et ça a pris forme, mais ça ne demande qu'à se développer, et avec l'appui d'importantes personnalités. Il parle souvent de son ami Poutine, en l'occurrence, qui le soutient très très fortement dans cette démarche. Voilà, ce qui dit aussi la fascination de Jean Mallory pour une autre élite, on va dire. Je
peux rajouter un mot ? C'est à propos des relations entre Jean Mallory et l'URSS et la Russie. Dans l'élaboration de sa série Inuit sur toutes les populations circumpolaires, il a essayé d'aller en Sibérie à la fin des années 70, début des années 80, mais il n'a pas eu l'autorisation. Et comme il tenait à ce qu'il y ait des reportages et des séquences qui se passent en Sibérie, il a été représenté par un homme, Michel Rigalov, qui était un Russe, correspondant d'Antenne 2 à Moscou à l'époque. Mais connaissant l'obstination et la pugnacité de Jean Mallory, il a réussi en 1990 à faire monter, cette fois-ci, une expédition scientifique franco-russe, la première du genre, qui est partie en Sibérie avec toutes sortes de scientifiques et qui ont ramené une quantité impressionnante de données sur les populations, sur l'état de l'environnement et aussi sur la dégradation des populations après l'ère soviétique. Donc c'est aussi à l'honneur de Jean Mallory de rappeler cette collaboration qui a porté ses fruits. Il y a quelques textes traduits, mais pour l'essentiel, ce sont des auteurs francophones, effectivement. Ouais. Alors, la traduction de l'œuvre malorienne en anglais, bon, les derniers rois Tullion ont été traduits même deux fois en anglais. C'est un luxe incroyable quand on pense à la difficulté que ça représente de se faire traduire en anglais, de se faire remarquer. Umok, il y a un des quatre volumes d'Umok qui est traduit pour l'instant en anglais dans une très belle édition par McGill University Press. Et on attend la suite. Voilà, donc étant angliciste moi-même, on va essayer d'œuvrer en ce sens-là. Alors, la revue Internord publie des textes en français et en anglais, c'est sa particularité. Et pour le prochain numéro, nous espérons pouvoir publier des travaux, entre autres, sur l'œuvre scientifique malorienne, et à ce moment-là, en français et en anglais, parce que je pense que ça manque. C'est un véritable challenge, comme on dit en français, pour les scientifiques français de se faire entendre par la communauté internationale quand ils ne sont pas publiés ou quand ils n'écrivent pas eux-mêmes en anglais. C'est à regretter d'ailleurs, mais c'est comme ça qu'on nous dit. Et si je peux me permettre, dans la revue Arctica, qui publie tous les actes anciens de scientifiques de Jean Mallory, il y a des articles qui ont été écrits par des Russes et traduits. Oui. Il y a une grosse collaboration scientifique autre que francophone. Oui, bien sûr, mais c'est un volume francophone. Hein, Oui. Donc, Arctica, c'est la collection des dites œuvres de Jean Mallory, publiées par CNRS Éditions. Donc, il y a eu trois volumes pour l'instant. Et le deuxième est consacré à cette expédition. Bon, peut-être pour donner le contexte rapidement, Jean Mallory a eu des contacts privilégiés avec l'Union soviétique depuis les années 50. Il a été félicité par l'Institut Arctique et Antarctique dès sa nomination à l'école. À la sixième section à l'époque de l'école pratique. Et Fernand Braudel lui a dit, vous y allez, allez donc en URSS rencontrer vos collègues sur les questions polaires, Arctique et Antarctique, enfin Arctique en ce qui concerne Jean Mallory. Donc il est allé à Leningrad dès 57 et a donc pu entretenir des relations avec ses collègues soviétiques pendant toutes ces années. Il a pu se rendre d'ailleurs, non pas en Tchoukotka, certes, parce que c'était impossible pour tous les chercheurs occidentaux, c'était interdit, mais en Yakoutie quand même. Donc j'ai rencontré des collègues yakoutes qui se souviennent des cours donnés par Jean Mallory au cours des années 70, c'est fabuleux. Et donc quand Gorbatchev a décidé d'ouvrir l'Arctique à la recherche internationale, il a été donc le premier à pouvoir faire cette expédition, effectivement, grâce à ces contacts qui existaient depuis très longtemps. La coopération internationale, ça demande des efforts renouvelés. Et donc, voilà ce qui explique cette relation particulière avec la Russie, qui est très importante. Quand vous parlez de l'Arctique, vous imaginez bien. Tout en n'étant pas vraiment dupe, puisqu'il raconte lui-même que dans cet ensemble de scientifiques qui l'ont accompagné en Tchoukotka et en Sibérie, il y avait deux membres du KGB, mais qu'il n'est jamais arrivé à identifier véritablement, mais il savait qu'il était sous haute surveillance de toute façon.
Alors, je vais appeler autour de moi Olivier, pardon, Dominique Sewan d'abord et Olivier Weber. Alors, je vous présente Dominique Sewan, qui est anthropologue, qui a été titulaire de la chaire UNESCO Patrimoine culturel africain entre 2006 et 2018, et à qui nous devons plusieurs ouvrages extraordinaires, publiés dans cette non moins extraordinaire collection, Le souffle du mort chez les Batamarimba du Togo, qui a été récemment réédité dans la collection, et puis également cet autre ouvrage auquel je tiens beaucoup, qui est Koutamaku, les lieux sacrés, pour lesquels vous êtes une des trois contributeurs, avec une préface, évidemment, de Jean Mallory. Pour toi, Olivier Weber, tu es écrivain, diplomate, grand reporter, tu as réalisé beaucoup de documentaires et beaucoup écrit, et notamment récemment, ce voyage en Himalaya au royaume de la lumière. C'est le Mustang, évidemment. Tu as publié ce récit de voyage, un récit lumineux, où tu étais accompagné par un ami, un proche qui était aveugle, et tu avais une double vision. Tu devais compenser. Il avait une démultiplication des sens, sauf celui de la vue, mais toi, tu voyais pour lui, en plus de voir pour toi, et c'est cette expérience absolument unique que tu dépeins dans ce royaume de la lumière, dont le titre, évidemment, est en écho à cette expérience. Je voudrais vous demander tous les deux, et en commençant par Dominique Sewan, d'abord, évidemment, quel a été votre rapport avec Jean Mallory ? On a dit que c'est un résistant, d'abord historiquement, ensuite un résistant sur le plan moral, sur le plan psychologique, sur le plan de son engagement de vie. C'est un révolté, et cette collection Terre humaine est avant toute chose une collection de révolte. Tous les textes qui y sont publiés sont des textes qui impliquent d'abord la personne qui a écrit, qui donne ce manuscrit. On l'a vu avec vous tout à l'heure, Philippe Descola. Il y a une partie de vous-même dans vos lances du crépuscule. Et puis chacun livre son expérience, se fait un peu violence, ne serait-ce que pour parler de soi, mais également pour parler de son expérience de tous les jours, et a quelque chose à décrire un peu en urgence, avant, c'est un peu un dernier constat avant destruction, soit inéluctable, soit eh bien, on va essayer de changer les choses ou au moins d'amoindrir les conséquences négatives. C'est vraiment le but de cette collection Terre humaine que de crier quelque chose avant que ça ne disparaisse, ou donner la parole à ceux qui en ont été privés dès le départ. Ça, c'est quelque chose auquel Jean Mallory tient beaucoup, c'est donner la parole aux invisibles, aux silencieux, à ceux auxquels la parole n'a jamais été donnée, soit pour des raisons de civilisation, soit pour des raisons d'oppression ou de mise à l'écart. Et puis, il y a aussi ce rejet des cloisonnements méthodologiques, étanches, comme ça a été dit juste avant par Anne-Marie Bidot. Beaucoup de spécialistes de spécialités différentes ont écrit dans la collection Terre humaine, et c'est justement ce qui fait la richesse de cette collection. Des journalistes, des voyageurs, des écrivains, des chercheurs de sciences fondamentales, d'autres de sciences dites humaines. Voilà. Toutes les spécialités ont cours dans Terre humaine et rien n'interdit quiconque d'écrire chez Terre humaine, que ce soit par sa spécialité, par son origine, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Comment du coup, vous deux, vous d'abord Dominique Sewan, et toi ensuite Olivier, comment est-ce que vous en avez été amené à intégrer cette collection, à la vivre et évidemment à interagir énormément avec Jean ? Alors, merci Philippe Chalier de me donner la parole. Comment je suis, on peut dire, entrée en Terre humaine ? Je suis allée voir Jean Mallory après avoir passé un an chez les Batamarba du Koutamaku qui peuplent les montagnes et la vallée de l'Atakora au nord du Togo et du Bénin. Et je suis allée le voir parce que tout en ayant suivi une formation d'ethnologue, puisque Philippe Descola en a beaucoup parlé, et après également avoir eu une formation de philosophe et d'historienne, cette année passée chez les Batamarba m'avait suffisamment impressionnée pour que
Après avoir connu quelques ouvrages de la collection Terre humaine, pour estimer que seule cette collection pouvait présenter un livre à propos de cérémonies, en particulier funéraires, qui m'avaient non seulement touchée, mais profondément marquée. Or, je reviens à la présentation de Philippe Descola sur l'apprentissage de l'ethnographie, l'apprentissage de l'ethnologie. Ce que mes professeurs me demandaient lorsque je suis partie, puisque c'était dans le but de rédiger une thèse, on nous le demandait en 3 ans, c'était d'abord ces premiers exercices d'ethnographie que l'on appelle généalogie, qui peuvent paraître très simples lorsque l'on est dans une salle de classe devant un professeur, une généalogie, c'est exactement ce que j'ai commencé à faire. Or, dès les premiers jours, je me suis rendu compte que lorsque je demandais à ces anciens, très avares de parole, le nom de leur ancêtre défunt, je me heurtais à un silence phénoménal, total. Sépulcral. Sépulcral, exactement. C'est tout à fait le mot. Mais c'est le mot, vraiment. Dans la mesure où je m'en suis rendu compte au bout de seulement quelques mois, du reste, ces noms de défunts font partie du savoir secrètement transmis à des personnes que l'on estime réputées pour leur discrétion et pour ne pas elles-mêmes, à leur tour, divulguer ces noms de mort. Je m'en suis rendu compte, non pas en posant des questions et grâce aux réponses qu'on a pu me donner, mais en essayant, et ça c'est dès la première année du reste, en essayant de comprendre pourquoi ils se taisaient à certains moments. Pourquoi ils se taisaient d'abord en refusant de donner les noms de ses ancêtres. Pourquoi, lors de ces grandes cérémonies funéraires qui m'avaient tellement impressionnée, elles débutaient par un silence qui pouvait se prolonger, les premières années du moins, maintenant beaucoup moins, prolonger pendant une heure ou une heure et demie. Il faut s'imaginer qu'après qu'un père ou une mère a été enterré, les membres du clan se réunissent devant cette forteresse que l'on appelle Taquinta, donc l'habitation du récent défunt. Et je l'ai appris par la suite, ce que je vous l'ai dit, bien entendu. Et il est absolument obligatoire de rester immobile, de ne pas baisser la tête, de ne pas regarder dans une autre direction, mais de regarder devant cette façade qui est identifiée à un visage, à un grand visage des anciens morts, en quelque sorte. Et pendant ce long silence que nous devons observer, il est convenu, donc ce sont des choses, encore une fois, que j'ai apprises plusieurs mois plus tard et après mes différents séjours chez les Batamarba, il faut attendre que les ombres venant du cimetière s'assemblent avec nous. Donc nous attendons que ces ombres portées par le vent quittent leur tombe et viennent assister à ce moment que les Batamarba appellent le vrai moment. Et ce vrai moment, c'est celui au cœur de la nuit, durant lequel est prononcé pour la première et dernière fois le nom secret de ce mort, que l'on ne devra par la suite plus jamais prononcer, du reste. Et on le prononce d'une manière... Là, il est beaucoup question de silence. C'est pour cela, du reste, que j'ai mis si longtemps et j'ai eu tant de difficultés à écrire cet ouvrage. C'est comment traduire en mots
ces silences, en particulier celui-ci, dans un livre avec nos mots, avec nos paroles. Or, ce nom est prononcé également de manière plus que silencieuse, puisqu'il est prononcé à l'intérieur du larynx par celui que l'on aperçoit dans la nuit, mais très mal du reste. Il le prononce intérieurement et en le disant, mais en le disant au fond de la gorge. Et une fois que ce nom a été prononcé silencieusement, des battements de tambours qui doivent se répercuter dans les montagnes alentour signifient que le nom du mort a été dit, donc ce nom va rester vivant. Il va rester vivant dans la mémoire des descendants, puisque c'est la manière de le rendre vivant au cours des générations, d'une part, et par ailleurs, une fois que ce nom a été prononcé, c'est un nom qui a un pouvoir, qui est porteur de générations futures, puisque, une fois qu'il a été prononcé, le récent défunt a le pouvoir et la puissance de provoquer une naissance d'un ou plusieurs enfants à l'avenir à l'intérieur de cet aquinta. Donc, ce qui explique bien sûr la raison pour laquelle il m'a été impossible, d'ailleurs pour ainsi dire tout le temps, d'établir des généalogies chez ces Batamarba. Après cette première année, après avoir assisté à ces célébrations extrêmement impressionnantes, dont le souvenir commençait à s'atténuer très vite. Comme tout ce qui peut être impressionnant, il peut disparaître comme un rêve. J'étais depuis quelques jours à Paris, et après avoir vu dans une librairie les différentes couvertures de la collection Terre humaine, alors que je n'en avais encore lu aucun, je dois dire. Eh bien, j'ai décidé à l'instant d'aller trouver le directeur de cette collection que je ne connaissais pas, dont j'ignorais le nom, je l'ai vu sur une couverture, et de lui demander instamment de publier un livre sur les rituels funéraires des Batamarba. Quelque chose qui est un peu étrange, qui peut arriver parfois. Et bien entendu, il ne m'a pas reçu. Il était très occupé. Et quoi qu'il en soit, sa secrétaire, qui m'a trouvé assez bizarre du reste, effectivement, je devais l'être, lui a dit que quelqu'un d'un peu bizarre demandait à le rencontrer. Et au cours de cette rencontre, c'est une rencontre déterminante. Et là, j'ai apporté un ouvrage qui est paru dans la collection Terre humaine, qui est sur un soufi, un musicien soufi qui est très connu, mondialement connu, Qudsi Erguner. Et ce livre est centré sur l'importance des rencontres dans la vie d'un être humain qui décide de la manière dont il va organiser sa vie. Et ces rencontres peuvent être très courtes, elles peuvent durer quelques minutes. Donc il cite quelques soufis qui ont eu leur vie changée après avoir entendu un seul mot, après avoir rencontré quelqu'un qui lui a dit un seul mot. Or, lors de cette première rencontre avec Jean Mallory, que j'ai découvert, il m'a posé deux questions qui m'ont suivi pendant tout le temps de mes recherches, et qui ont donné une orientation que je n'avais pas prévue. Alors la première question,
après que je lui ai montré quelques images de ces très belles forteresses, parce que aujourd'hui le Togo revendique d'être représenté par ces forteresses des Batamarba, c'était de me dire bon, effectivement, ça a l'air très beau tout ça, ces forteresses, c'est parce que je lui avais montré des guerriers qui, au cours de la cérémonie, miment un combat. Il dit mais quel est le noyau dur de ce peuple? Est-ce que vous avez la prétention qu'ont beaucoup de, enfin, qu'ont certains, je dis pas beaucoup, qu'ont certains de vos camarades ou de vos collègues ethnologues, que après un an ou deux ans ou trois ans passés dans une population dont vous connaissez finalement à peine la langue, qui sont porteurs d'une sagesse plurimillénaire, est-ce que vous avez la prétention d'écrire quelque chose sur leur sur ce qui fonde ce que nous appelons aujourd'hui leur identité? Et moi, je préfère utiliser un mot qui a été évincé des ouvrages de philosophie, de ethnologie, enfin, etc., marqué par le matérialisme historique. Je préfère revenir à ce terme de âme, qui est beaucoup plus profond, beaucoup plus porteur. Âme qui provient du terme anima, qui veut dire souffle. D'où le titre, d'ailleurs, de mon livre, Le souffle du mort. Chez les Batamarba, en effet, ce nom dont je viens de vous parler, qui a été invoqué silencieusement dans la nuit, est lié intrinsèquement à la force ou à l'âme d'un être humain, quel qu'il soit du reste. Et le rite funéraire dont je viens de vous parler procure à ce souffle le pouvoir, la force de former des enfants, quoi qu'il en soit. Donc il m'a posé cette question il me dit, du reste, moi, je ne publie pas de thèse universitaire dans la collection Terre humaine. Si vous, vraiment, vous avez l'envie ou la décision, vous prenez la décision de comprendre le fond, enfin, les noyaux durs, si vous voulez, de ce peuple, il faut que ce soit eux qu'on entende à travers vos pages, et non pas vous. Il faut qu'on les entende, il faut qu'on sache, eux, qu'est-ce qu'ils disent de leur mort, de leur vivant, de leur mémoire. Peut-être que cela vous prendra un an, deux ans, dix ans, peut-être toute une vie, c'est à vous de prendre la décision. Voilà, c'est tout. Il m'a simplement dit ce mot. Et en sortant de son bureau, je trouvais glacial, hein, c'était un bureau du centre d'études arctiques, je revenais d'Afrique, moi, je trouvais qu'il faisait très froid, lui il n'avait pas l'air d'avoir froid du tout. Enfin, bon. Bref, donc en sortant, j'ai décidé que la thèse pouvait attendre, que finalement j'en avais rien à faire, et que je voulais retourner à nouveau chez les Batamarba, bien que je n'avais pas de bourse, je n'avais rien du tout. Quoi qu'il arrive, je retournerai, voilà, comme ça. Et c'est cette décision qui a fait que pendant environ 10 ans, je suis retournée tous les ans, un an, 6 mois, 8 jours, etc. Il se trouve que ces Batamarba me parlaient, et ce qu'ils me disaient était en écho à cette phrase, c'est-à-dire on doit entendre parler ces Batamarba, quelle est leur âme, en quelque sorte, leur noyau dur, car lorsque je me trouvais avec ces anciens que l'on appelle les maîtres du savoir, qui ne me disaient pas grand-chose, mais par la suite, j'ai essayé de comprendre d'où venait cette chance, ils m'autorisaient à les accompagner à un endroit qui était interdit aux femmes en particulier, c'est-à-dire au cimetière.
Ils m'ont également autorisé à assister à un enterrement. Ils m'ont autorisé à assister. Bon, vous allez dire, ah, mais alors tout ça, c'est bien morbide. Effectivement, parce que lorsque je revenais et que j'ai rencontré mes collègues, ils disaient, mais alors sur quoi portent vos recherches? Bon, je dis sur la mort. Mais à ce moment-là, c'était dans les années 80-90. Oh là là, mais alors c'est bien morbide. Alors pourquoi la mort, etc. Moi, c'est pas du tout. C'était absolument pas mon but au départ. C'est pas du tout que je voulais m'intéresser à la mort. Mais il se trouvait que en permanence, tout le jour, il n'était question que de compagnons qui avaient l'air d'être à côté de nous, hein, qui avaient l'air très vivants. Ça n'avait rien de triste du tout. Par exemple, on ne devait pas aller sur un certain sentier. Lorsqu'on rentrait dans la maison, il fallait se mettre à droite ou à gauche, il fallait pas se mettre... Enfin bref, il y a toute une série d'interdits. Pourquoi ? Parce que cela pouvait empêcher une ombre quelconque de rentrer ou de sortir. Enfin bref, finalement, une famille pouvait être composée de 5 ou 6 personnes, mais en réalité, nous étions très nombreux. Hein. On était 10, 15 tous les jours. Et comment on s'adressait à nos compagnons, puisque c'était devenu aussi mes compagnons finalement, moi je suivais un peu le mouvement, eh bien on s'intéressait à eux, comme ils disaient, comme ils le disaient très souvent, du fond de leur ventre. C'est-à-dire parfois, et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont permis de les accompagner à l'intérieur de cette taquinta où étaient élever les hôtels où habitaient ces souffles, qui étaient vivants, en quelque sorte. Mais ce n'est pas qu'ils étaient vivants. Ils étaient endormis et réveillés lorsque la famille, donc je les accompagnais, disait leur nom au fond de leur ventre, c'est-à-dire, pour un occidental, en silence. Un occidental qui les aurait vus en demi-cercle, à l'intérieur de la maison, ne disant rien et regardant les autels, aurait été loin de se douter que c'était un moment qui permettait à ces souffles de se réveiller. Car pour les Batamarba, un mort perdure dans la mémoire des vivants, reste vivant, en quelque sorte, ne pourrit pas au cimetière tant que son nom reste vivant dans le ventre de ses descendants. Mais en revanche, le dire à voix haute, ce nom peut avoir un pouvoir de mort, de destruction. Enfin, écoutez, je vais m'arrêter sur cette question parce que sinon ça pourrait durer très longtemps. C'était simplement pour répondre à la question que vient de me poser Philippe Charlier. Comment se fait-il que le livre a été publié dans la collection Terre humaine? Alors très longtemps, hein, parce que j'ai rencontré donc après cette question-là, donc que je viens de vous répéter, Jean Mallory, c'est en 1980, et le livre a été publié en 2003. Quant à ma thèse, bon, effectivement, j'étais pas du tout pressée de la soutenir, mais finalement, elle l'a été. En 1999, donc 20 ans plus tard. Cependant, comme je n'avais pas tellement de projet de carrière, absolument pas. Et il s'est trouvé, donc là, c'est un peu c'est le hasard, enfin je sais pas, c'est le destin, chacun a son destin. Il s'est trouvé que après la soutenance de ma thèse, du moins, qui portait non pas tellement sur le rituel funéraire, mais sur les rituels initiatiques des Batamarba. Bon, pourquoi j'ai assisté à ces rituels initiatiques? C'est que la seule réponse que me donnaient ces anciens, lorsque je leur demandais des explications du rite funéraire, ils me disaient, un peu pour que je les laisse un peu tranquilles, il disait, bon, il suffit de voir le rite des garçons et le rite des filles et tu comprendras. Or, pour assister au rite des garçons, il fallait revenir l'année suivante
et encore l'année suivante, puisqu'elle dure 2 ans. Et pour les rites des filles, il fallait venir au moins 2 ou 3 fois tous les 4 ans. Donc évidemment, quand on additionne les années, ça fait pas mal. Mais une fois que ma thèse a été soutenue, la pensée des Batamarba commençait à être connue en profondeur. Ça ne veut pas dire que les Batamarba étaient inconnus. Ils étaient bien entendu qu'ils étaient connus. Il y avait les tours opérateurs amenaient beaucoup de touristes. Des travaux, d'éminents travaux avaient été écrits en particulier par Paul Mercier, qui était mon illustre prédécesseur, en 1950 dans la région de Natitingou au Bénin. Du reste, son livre ne m'a jamais quitté. Il était avec moi. Et je me demande encore comment, chez cette population qui parlait si peu, il a pu réunir des renseignements à propos de leur migration, mais aussi précis. Enfin, il a accompli un travail absolument extraordinaire. Il y avait également déjà des ouvrages qui ont été écrits par des missionnaires, en particulier Albert Marie Maurice, que j'ai eu la chance de rencontrer puisqu'il habitait tout près de mon domicile. Donc nous avons échangé des documents, des photographies, enfin, etc. Il y avait déjà des ouvrages écrits sur eux, mais en revanche, moi j'avais pris comme option, puisque chacun prend une option, et ça, Jean Mallory, je vais y revenir dès que j'aurai prononcé ce nom, j'avais pris comme option essayer de comprendre pourquoi il se taise, voilà, tout simplement. Et cette matinée, elle est consacrée à Jean Mallory, chaman. Or, pour Jean Mallory, que veut dire le chamanisme? Eh bien, il en donne l'explication en revenant à ce livre magnifique dont tout le monde a parlé ici, qui est « Louons maintenant les grands hommes » de James Edgier, qu'il m'a fait tout de suite connaître. Je dois dire que mon modèle pour vivre chez les Batamarba et essayer de les comprendre, c'était ce livre, hein, « Louons maintenant les grands hommes ». Et en parlant de Edgier, Jean Mallory dit « Edgier était un chaman ». Car pour lui, le chamanisme signifie essentiellement être suffisamment poreux dans son comportement, dans son regard et dans son écoute, pour essayer de comprendre ce que ne dit pas autrui, dis-moi, c'est ça. Essayer de comprendre ce que signifient certains gestes, et en particulier chez des peuples comme les petits métayers de l'Alabama, qui n'ont jamais été formés à la conversation, à la parole. De même, les Batamarba, du reste. Et il est également chaman dans la mesure où, lorsqu'il est devant un futur auteur, enfin celui qu'il va peut-être tenir comme auteur, il comprend immédiatement quelle peut être son orientation, qu'est-ce qu'il a de spécifique dans sa personnalité qui lui permettra d'aller dans telle ou telle direction. Lui-même se dénomme accoucheur des auteurs, qui sont tous, bien entendu, différents, qui ont des possibilités qui leur sont propres. Et en ce qui me concerne, il a immédiatement compris, enfin, il a suffi que je lui dise quelques mots de cette population, pour comprendre dans quelle direction je pouvais aller pour mieux comprendre ce qu'il appelle le noyau dur d'un peuple. Et il a eu une autre réflexion aussi qui m'a guidée. Vous voyez, il ne m'en faut pas beaucoup, il suffit de quelques mots, quelques paroles. Lorsque j'ai commencé à lui remettre des pages à propos de ses rituels, la première chose qu'il m'a dit lorsque je lui ai rendu un texte de 50 pages, pour moi c'était vraiment un énorme travail, d'ailleurs il l'a lu tout de suite, il m'a immédiatement appelé, et que m'a-t-il dit au téléphone? Il m'a dit « Oui, ça a l'air très intéressant ce que vous avez à dire, cette population, mais vous ne savez pas écrire ».
Alors, j'ai dit, si je ne sais pas écrire, bien, tant pis, n'en parlons plus. Et il a dit encore cet autre mot qui peut, que moi je dis, que j'ai souvent dit à mes étudiants lorsqu'ils se sentaient impuissants à faire un travail ou un projet. Il m'a dit, toujours au téléphone, avec la voix que tout le monde connaît, énergique, et puis, qui ne se paye pas de mots, il a dit, bon, vous ne savez pas, mais tout s'apprend, vous n'avez qu'à apprendre. Ça prendra du temps, et ben, on verra bien. Et puis voilà, puis il a raccroché, c'était son genre. Et puis je me suis dit, ben oui, il a raison, tout s'apprend. Je vais. Alors, ce qu'il m'avait dit aussi, donc au téléphone, c'est le mot qui m'est resté. Il m'a dit, vous dites par exemple dans vos pages, quand je les lis, vous dites, cette femme a ri. Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Comment elle rit, cette femme? Qu'est-ce que ça veut dire, une femme, ta mari, qui rit? Elle rit en quelle occasion? Qu'est-ce que ça signifie le rire chez les Batamarba? Oui, qu'est-ce que ça signifie le rire? Qu'est-ce que ça signifie se taire? Qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi marche-t-il de cette manière? Pourquoi s'assoit-il de cette manière aussi? Et ça, cette réponse, comment rit une femme en Afrique ou bien chez les Batamarba? J'ai eu la réponse, assez récemment, en 2018, où je participais à une mission, la dernière mission à laquelle j'ai participé, du rêve, Tamako. Où là, j'étais avec une Nigérienne qui n'arrêtait pas de rigoler tout le temps. Et je lui ai dit simplement, j'ai dit, vous savez, vous riez de la même manière que les gens de Warango, certainement vous seriez très bien reçus, parce qu'ils ont un rire qui est communicatif, et pourtant, ils ne parlent que des morts, mais ils rient tout le temps. Elle dit, mais oui, mais c'est très simple, parce que nous savons que la mort est toujours là. N'importe quand, elle peut nous attraper. Alors, pour conjurer cette peur, ce savoir que nous savons de la finitude humaine, que chacun de nous peut disparaître dans la journée, enfin, il suffit d'un rien, eh bien, toute occasion pour nous est bonne pour plaisanter, pour rire, pour danser, pour manifester notre joie de vivre. Et effectivement, aller à Warango, il suffit de rester 8 jours pour revenir empli de joie, hein, de gaieté, alors que c'est une population qui vit dans un extrême dénuement, qui connaît une famine endémique qui ne cesse de s'accroître avec l'avancée du désert, d'une part la sécheresse, bien sûr, et puis aussi... Alors là, je vais revenir, excusez-moi, mais là, je vais le dire très, très rapidement. Pardon ? Oui, c'est la parole à Olivier après. Oui, en 2 minutes, j'arrête, parce que tout le monde en a déjà beaucoup parlé, parce que cette population, c'est éminemment une population de résistants. De résistants qui ont toujours refusé d'être dépendants des autres. La raison pour laquelle... Pendant longtemps, ils ont été considérés comme des retardataires, comme une population archaïque, peu développée, enfin, etc. Mais ils s'en fichent. Jusqu'à présent, peut-être beaucoup moins maintenant chez les jeunes générations, ils ont toujours refusé les cadeaux. Ils ont refusé les cadeaux, c'est quand même assez curieux, pour être fidèles à ce qu'ils appellent, eux, leur fondement ou leur noyau dur, qui est une éthique d'une subtilité, d'une complexité incroyable, dont je ne vous dirai rien, mais qui est dans mes livres. Voilà. Donc j'en dis rien. Merci beaucoup. Merci Dominique. Olivier, j'aimerais bien avoir, ou nous aimerions bien avoir, pardon, ta vision à la fois de ce personnage, de cette collection, et comment s'est passé toi aussi ton travail d'écriture et d'intégration dans la collection, mais aussi les rapports que tu as pu avoir avec Jean Mallory. Bon, bonjour et merci au musée et à Philippe Charlier pour organiser la table ronde. C'est salutaire parce qu'évidemment on salue un grand homme, dans tous les sens du terme, qui est Jean Mallory, mais aussi une belle et une grande collection, et je suis vraiment ravi et honoré d'en faire partie. Et je pense qu'il eût été compliqué, voire impossible, pour un chroniqueur ou un,
Oui, un chroniqueur littéraire ou un historien de l'histoire éditoriale contemporaine, de savoir au bout de 10 ans ce qu'était l'aventure éditoriale de Terre humaine, parce que ça partait un peu dans tous les sens. C'est hétéroclite et ça l'est toujours. Et la lecture était un peu compliquée de ces, on va dire, une dizaine, quinzaine d'ouvrages pendant les 10-12 premières années de l'histoire de la collection. Peut-être que Jean Mallory avait l'intuition de la collection et de son fil intrinsèque. Et je pense aussi que cette intuition venait évidemment de son expérience de terrain, cet intruisme, mais aussi de ses rapports, de son dialogue, de ses discussions avec Lévi-Strauss. Et Lévi-Strauss sûrement avait aussi connaissance de cette importance, ça a été dit et redit, d'aller du singulier au général, d'aller du particulier à l'universel. Et moi, j'ai une formation d'économiste, et en France et aux États-Unis, mais j'ai voulu faire parallèlement donc des études d'anthropologie à l'école des études pendant 5 ans jusqu'à un DEA, et c'était une ouverture extraordinaire. Et je dois dire aussi qu'on était, enfin, en suivant le double cursus d'économiste et d'anthropologue, ce que je ne suis pas d'ailleurs, je n'étais qu'étudiant en anthropologie, on était soumis à des modèles, à des systèmes, à des approches théoriques ex ante, c'est-à-dire quand on allait sur le terrain, quand on va toujours sur le terrain, bien sûr, on est quand même un petit peu le produit de ce qu'on nous a enseigné, mais aussi de certains modèles. Et là, tout d'un coup, cette collection, je dois dire que je lisais avec beaucoup d'assiduité, pas tous les livres, mais en grande partie, et que je lisais presque secrètement, comme certains autres lecteurs, j'imagine, ou étudiants, nous enseignait cela, c'est-à-dire qu'il fallait se dégager de la théorie. Il fallait se dégager de l'approche idéologique qui peut être importante, qui peut être essentielle ou pas. Mais en tout cas, là, tout d'un coup, on avait des approches singulières et qui sont basées non seulement sur l'ethnographie, mais aussi enfin, sur des portraits, des tranches de vie. Et donc, moi, j'ai fait ensuite, j'ai suivi un parcours, ce qui était prévu, enfin, c'était un peu mon but de reporter, de documentariste. Mais je peux vous dire que tranche de vie, ça a toujours eu, ou souvent eu, un côté péjoratif. Et là, cette collection relevait le niveau en quelque sorte, et nous donnait au lecteur la possibilité de passer par des histoires très singulières, soit par une approche globale, soit par une approche individuelle. Et encore une fois, on arrive à l'universel par ces approches. Moi, j'ai voulu faire ce livre qui était d'abord en fait une aventure en haute montagne, en Himalaya, avec un aveugle, comme tu le disais, parce que j'ai fait beaucoup de montagnes, je viens de la montagne d'ailleurs, et ce petit royaume, qui est maintenant rattaché au Népal, s'appelle le Mustan, est resté indépendant, mais surtout interdit à tout étranger, jusqu'en 1992. Et le Mustan, donc, qui est grosso modo au nord-ouest du Népal, adossé à la frontière chinoise et au Tibet historique, donc sous appropriation chinoise du côté chinois, donc depuis 1949 et 1959 des jurés, eh bien le Mustan représente un peu l'ère de la résistance des Tibétains avec son peuple qui s'appelle les Loa, qui sont une branche du peuple tibétain. Les Loa étant les Mustangais, ils sont plus que 6000 dans cette région du monde, mais ils vivent libres, ils vivent donc sans la tutelle, sans la répression de la part de Pékin. Et la grande peur des Loa, c'est de perdre leur identité, de subir bien sûr la répression chinoise. Et il y a une sorte de fil conducteur qui se dessine actuellement dans l'histoire contemporaine des Loa, c'est la construction d'une piste qui part, on va dire, des hautes terres, on est à 2500-3000 mètres, et qui va un jour, parce que ça se construit uniquement l'été, rejoindre la frontière chinoise. Et lorsque cette piste aura atteint, au bout de plusieurs saisons, la frontière chinoise, on peut penser qu'il y aura une sorte de colonialisme à rebours, sans les gardes rouges, d'invasion, on va dire, par le négoce, par le commerce de cette région du Népal, qui est protégée par la barrière de 7000 mètres côté chinois et du côté népalais par le Dolagiri et les massifs des Annapurna. Donc on a voulu faire ce voyage avec un ami qui a connu de ses yeux vus lorsqu'il était voyant le Mustang à plusieurs reprises et qui est devenu aveugle à cause d'une pathologie, la rétinite pigmentaire. Et j'étais censé l'accompagner et c'est en fait exactement le contraire qui s'est passé. C'est le non-voyant qui a expliqué son Mustang au voyant. Donc, il a extrapolé, qu'il a déduit, qu'il a anticipé. Évidemment, un aveugle développant
avec beaucoup de prosélytisme, tous ses sens, et bien sûr le sens de la rencontre humaine. Et je ne voulais pas faire de livre au départ. Moi, je prends des notes tous les jours, toutes les nuits plutôt, en voyage ou pas. Et on a fait un film, en fait, et le film expliquait cette démarche de compagnonnage entre le non-voyant et le voyant. Et le livre s'est un peu imposé au retour, grâce à l'accueil que m'a fait la collection Terre humaine et Grégory Berthier. Je connaissais Jean Mallory, mais je ne le voyais plus depuis un petit moment. On s'était vu dans les salons littéraires, on s'était revu à Paris et puis dans d'autres endroits. Mais l'idée, c'était aussi de parler non seulement de cette enclave qui subsiste, mais aussi de l'hyper-rapidité, de la lenteur que procure la marche méditative, et puis le fait d'être totalement à l'isolement dans cette partie du monde lorsqu'on marche, donc sur le toit du monde, et en fait d'être pratiquement, comme Nicolas Bouvier le disait, de cette autre partie de l'Asie centrale qu'est l'Afghanistan, au centre du monde, parce qu'évidemment, il y a ce paradigme de la mondialisation, et ce n'est pas un cliché, hein, ce rapport entre la migration rurale et puis l'acceptation dans les basses terres d'Inde et du Népal, et puis bien sûr le cas de la construction de la route, de la piste. Et donc, j'étais accompagné dans ce monde de Gérard Muller, mais de plusieurs membres de la famille royale, dont le prince du Mustang, qui s'appelle Tsewang Bista, donc, qui est un guide de haute montagne, et qui se trouve être le prince de cette enclave, qui est encore considéré comme un royaume par les lois, par les habitants du Mustang. Et donc, confronter le singulier au général, confronter notre expérience à deux ou à cinq, donc Gérard et moi, plus l'équipe de haute montagne, et la destinée du peuple loa, pour moi, c'était un peu le défi que relevait ce livre. Et finalement, moi qui ai baigné dans la collection Terre humaine depuis presque mon enfance, qui ai lu beaucoup de livres pour ses études, surtout d'ethnologie, je me suis dit, on est tout à fait dedans. Et le fait que la collection Terre humaine privilégie une approche subjective, une approche du jeu qui n'est pas du tout un jeu auto-centré, qui est un jeu qui permet justement de revendiquer une subjectivité et non pas une objectivité normative, me rapprocher de mon parcours de reporter, de journaliste, et je suis incapable de donner une définition de ce qu'est un reportage. C'est plutôt une alchimie, c'est un ensemble de faits, d'impressions, de retours sur l'histoire, de portraits, encore une fois d'impressions, de déductions, etc. On est un peu arbitre de cette alchimie. Et la collection Terre humaine, c'est cela. Et je suis content que vous ayez cité Kutsi Ergüner, parce que je l'ai rencontré à Paris, mais aussi sur le terrain, à Istanbul et puis à Konya. Konya, qui est une ville l'Asie mineure. Et Kutsi Ergüner est déposité un peu de cette tradition Mevlevi. Mevlevi étant la branche créée par Celaleddin Rumi, qui est un poète persan, Nalbalh, et qui est mort à Konya, donc dans l'actuelle Turquie. Et Kutsi Ergüner raconte aussi ces tranches de vie des soufis, bien sûr raconte ses rencontres, mais raconte aussi ce qu'est la destinée du soufisme à travers une approche transdisciplinaire et puis transgéographique. Le soufisme étant une vision mystique et très tolérante du fait religieux. Et on pourrait donner, comme cela, plein d'exemples, ils ont été annoncés auparavant. Et cette curiosité naturelle pour l'humanité, pour moi, est le fondement même de la collection Terre humaine. Et quand j'ai rencontré Jean Mallory, donc il y a peut-être 25 ans, on s'est vu à plusieurs reprises, ça transpirait de ce qu'il racontait, à travers bien sûr ce que j'avais pu lire sur Humoc et les derniers rois de Tulé, mais aussi à travers cette approche subjective revendiquée. Et je veux dire qu'elle était assez atypique, même par rapport à l'école des études des sciences sociales. L'école des études, c'était une des premières facultés en France dans les années 60 et 70 avec le PHE, à revendiquer donc une approche pluridisciplinaire. C'est commun, ça ne l'était pas du tout à l'époque. Et d'avoir justement ce côté ouverture, ce côté tolérance, cette décentration aussi qui permettait de comprendre et qui permet d'adopter aussi les valeurs de la société qu'on va étudier, et bien pour moi, donc, c'était en germe dans tous les livres que j'ai pu lire. Alors, j'étais content que Philippe Descola aussi puisse citer Pierre Clastre. Pierre Clastre avec la chronique des Indiens Guayaki, qui est parue en 1972 dans la collection Terre humaine, inscrit déjà en germe tout ce que va écrire, et sa carrière est courte malheureusement, puisqu'il est mort très jeune, je crois à moins de 50 ans, tout ce qu'a pu écrire Pierre Clastre, y compris la société contre l'État.
qui est sorti 2 ans plus tard aux éditions de Minuit, et ou œuvre plutôt théorique, qui est quand même un ouvrage assez conséquent et d'ouverture sur la sociologie politique et sur toute cette histoire de l'appropriation des biens matériels par la rivalité, par la conflictualité de société. Et je mettrais presque en parallèle aussi l'œuvre de René Girard, qui est devenu de facto anthropologue, qui était professeur de littérature française en Californie, où j'ai fini mes études. Et René Girard a extrait un petit peu cela aussi de son œuvre, le côté sociologie et politique, de l'étude du pouvoir, et avec la violence et le sacré, le bouc émissaire, etc. Et c'était ces deux trajets, deux parcours, j'allais dire presque initiatiques en sociologie et politique, que je mettrais côte à côte, celle de classe et celle de René Girard. Donc voilà, mon expérience de Terre humaine, c'est ça, c'est surtout un livre. C'est aussi cette mise en parallèle du métier de reporter, que je ne suis plus, parce que j'ai voulu opter pour l'écriture de livres à temps complet, et puis le travail d'ethnologue. Et je trouve que cette revendication, cette affirmation du jeu, cette entrée dans la subjectivité, et courageuse, elle n'était sûrement pas évidente dans les années 55 et 60 et 70, mais en tout cas, elle a fait sens, elle a fait œuvre de cohérence en ethnologie, mais aussi pour d'autres matières. Et je dirais que on est aussi dans une sorte de convergence entre ces opus de la collection et puis ce qu'on appelle le travel writing à la britannique ou l'écriture de voyage. Jacques Lacarrière a fait partie des auteurs de la collection. Nicolas Bouvier aurait pu en faire partie. Et c'est comment, à partir d'une idée, à partir aussi de sensations, de ce qui est éminemment donc personnel, on peut relater avec honnêteté ce qui nous entoure. Et c'est un critère dans le journalisme et dans la production de documentaires et dans le reportage qui est éminemment important. Cette revendication de l'honnêteté intellectuelle, évidemment, nous sommes des sujets, évidemment, nous sommes non pas dans l'objectivité normative qui serait dangereuse, mais dans une subjectivité. Et quand elle est revendiquée avec beaucoup de méthodologie, beaucoup d'emphase, beaucoup d'empathie, pardon, elle est courageuse, elle est salutaire. Et pour moi, avoir baigné consciemment, et je crois inconsciemment aussi, dans ces ouvrages que je lisais encore une fois secrètement quand j'étais étudiant, parce que on n'avait pas envie de les mettre en avant, je sais pas, à part quelques titres. En tout cas, c'était presque contradictoire avec ce qu'on pouvait nous enseigner à un moment, je parle surtout de l'enseignement en économie, avec la construction donc, de modèles théoriques lourds, ex ante, qui nous permettaient de faire du terrain, mais sans possiblement remettre en question donc, ce cadre théorique. Et là, tout d'un coup, on a eu, et on a toujours, ces différents ouvrages qui nous permettent d'approcher l'humain avec quelque chose d'universel. Et il y a un ouvrage aussi qui m'a beaucoup marqué, qui était novateur, qui est presque du journalisme, qui est de l'ethnologie, qui fait œuvre aussi de psychiatrie, c'est Les Naufragés de De Clercq, donc qui date de 2001, et c'est sûrement le premier livre sur les sans domicile fixe. D'ailleurs, le sous-titre parle des clochards à Paris. Et pour moi, c'est une enquête ethnologique, c'est une approche humaine, c'est une enquête de terrain, c'est un grand reportage. C'est un grand reportage, comme les aimait Joseph Kessel et d'autres écrivains voyageurs. Donc pour moi, tout cela constitue Terre humaine. Il y a eu une sorte d'éclair de génie de la part de Jean Mallory que de pouvoir avoir le courage de sortir ces différents ouvrages, mais aussi de s'affirmer dans la lenteur et dans l'épaisseur, ce qui est courageux. Donc voilà, on pourrait citer d'autres ouvrages. Moi, j'ai voulu vraiment raconter cette expérience de solitude méditative sur les toits du monde, même si on n'était pas tout le temps seul, parce que nous étions 5 dans l'expédition, mais ça durait quand même un certain temps, et on a préparé l'expédition pendant 2 ans. Et puis, cette relation entre l'enclave, et je suis très sensible à tout ce qui est enclave, et puis, deuxièmement, ouverture sur le monde, à partir du Mustang. Et le livre m'a permis justement de tirer les fils, de tenter d'expliquer cette culture particulière de cette sous-branche du peuple tibétain que représentent les Lowa, et puis certaines particularités aussi, comme la pratique des funérailles célestes, comme aussi la migration saisonnière de cette capitale
qui s'appelle Le Mantang, qui, si le royaume du Mustang était encore indépendant, serait la capitale la plus haute du monde à 3950 mètres, et plus parce qu'elle s'étage sur différentes hauteurs, et donc plus haut que La Paz en Bolivie. Et d'ailleurs, je disais que le Mustang était interdit à tout étranger jusqu'en 1992, sauf un, qui était lui aussi un ethnologue atypique, comme Jean Mallory, c'était Michel Pessel. Et j'avais baigné aussi, j'avais lu ses livres sur le Mustang, mais aussi sur d'autres régions que connaissait ce tibétologue, qui était formé à Cambridge, mais qui n'était pas vraiment reconnu par la profession, mais en tout cas qui a écrit des livres magnifiques, y compris sur le royaume interdit du Mustang. Eh bien voilà, ce royaume est ouvert, il est encore difficile d'accès parce qu'il faut marcher longtemps, il faut passer cette barre des Annapurna et du Dolagiri, surtout il faut avoir un permis de trekking qui n'est pas accordé facilement et qui coûte assez cher d'ailleurs. Et cette correspondance entre le voyage un peu sensoriel, deuxièmement le voyage éminemment subjectif que nous avons pratiqué avec l'aveugle, et puis troisièmement, cette confrontation du Mustang, de cette partie encore libre du Tibet avec le reste du monde, pour le meilleur et pour le pire, pour moi, était tout à fait compatible avec la collection Terre humaine. Et j'ajoute aussi que dans les particularités du Mustang, de ce petit royaume qui est encore considéré comme un royaume, même si la monarchie a été abolie des deux côtés, du côté donc des jurés du Mustang et du côté de facto des jurés du Népal avec la révolution de Palais de 2008, eh bien, il y a aussi la pratique de la médecine traditionnelle, les amchis, qu'on a vu se renouveler grâce à un moine qui s'appelle le moine Bista, donc qui est dans un monastère dans la capitale de Lomantang. Et il se trouve que Gérard Muller, l'aveugle, était pharmacien de profession, donc justement la pratique des amchis, cette médecine tibétaine traditionnelle vieille de 4000 ans, avec à peu près 2000 éléments aux recettes de pharmacopée, eh bien, a été confrontée au réel, donc et au savoir de ce pharmacien aveugle qui est Gérard Muller. Donc voilà, Terre humaine, pour moi, c'est une expérience extraordinaire qui demande à être perpétuée. Je sais qu'elle est très très bien reprise par notre ami Philippe Charlier, et je rends hommage à Jean Mallory parce que c'est un explorateur dans tous les sens du terme, c'est un pionnier aussi de l'aventure éditoriale. Je peux dire que pour ceux qui se revendiquent de l'écriture de voyage, cette autre tribu des écrivains voyageurs qui est très très large, on ne sait pas où elle commence et où elle finit, Terre humaine est vraiment plus qu'une expérience, c'est un terreau, c'est un ferment, c'est une université du savoir qui est très populaire et qui est éminemment transdisciplinaire. Et je crois que ça a été défendu avec beaucoup de courage, encore une fois, par Jean Mallory, parce que c'était pas évident qu'elle s'installe dans la durée. Et voilà, donc je suis vraiment ravi d'en faire partie. Et on pourrait résumer cette aventure par l'apprentissage de la littérature du réel et celle de la condition humaine. Voilà. Merci beaucoup. Quand on vous écoute tous les deux, Dominique et Olivier, on a l'impression que finalement, Jean Mallory n'est pas forcément un chaman, mais en tout cas un alchimiste, puisqu'il a réussi à faire dialoguer... Il a créé dans ce creuset tout à fait spécifique qu'est Terre humaine de petites pépites comme les vôtres. Je sais que l'expression est un peu galvaudée sur le plan politique, les pépites en ce moment. Est-ce que vous avez des questions à poser autant à Dominique qu'à Olivier ? Ou aux intervenants précédents, si jamais si vous êtes relapse ? Bonjour, merci pour vos présentations. Moi, j'avais une question par rapport à la collection Terre humaine, qui est la question de la place de l'image au sein de cette collection. L'image qui est présente dès le départ, dès les premières publications, avec une première couverture qui montre des gros plans, essentiellement de personnages. Et je me demandais si vous aviez des témoignages, comment vous avez travaillé ? Est-ce que vous avez eu l'occasion de travailler sur la sélection des images ? Et si Jean Mallory aussi avait un... Quel était son rapport ? Est-ce que vous avez des éléments par rapport à ça ? Alors. Je crois qu'Anne-Marie Bidot a développé cette question tout à l'heure, il me semble.
En ce qui me concerne, je peux parler uniquement en ce qui me concerne pour mon livre à propos des images. C'est une bon, pour résumer, c'est une population qui, lorsque je l'ai connue, refusait d'être photographiée, puisque les Betamarba estimaient, ils l'estiment beaucoup moins maintenant, bien sûr, hein, estimaient que prendre leur image, ça aurait été les empêcher peut-être de, une fois qu'ils étaient morts, c'était prendre leur ombre. Donc que ça les aurait empêchés de former des enfants après leur mort. Donc une photographie, c'était prendre l'ombre d'une personne, donc il n'était pas question de les photographier. Alors, moi-même, j'ai pris des photos, mais je dois dire que chacune des photos a été faite dans une atmosphère assez pénible. En particulier, pour ce qui concerne l'unique documentaire film que j'ai tourné chez eux, qui concerne donc un rite funéraire, et je ne me suis décidée à prendre ma caméra qu'au bout d'un an, c'est-à-dire 8 jours avant mon départ. Et encore, ce tournage a été très très mal perçu. Voilà. Bon, je voudrais simplement dire encore un mot en m'appuyant sur ce que vient de dire Olivier Weber, c'est que Jean Mallory insiste sur le fait que le véritable maître de la collection Terre humaine, c'est l'ensemble des auteurs, en réalité. Ce n'est pas lui, c'est pas, Terre humaine, ce n'est pas Jean Mallory. Terre humaine, c'est l'ensemble des auteurs, et il y a une fraternité entre eux. Et cette fraternité, je dirais, parce que ça a été dit par mes deux voisins, mais ainsi que par les autres intervenants, mais vraiment, je voudrais insister sur cet aspect qui est fondamental pour la collection Terre humaine. C'est le fait que Jean Mallory est foncièrement un résistant, marqué, c'est vrai, par sa période de résistance durant la guerre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, résistant à quoi ? Résistant à tout ce qui est délétère et ce que Voltaire appelait, par exemple, l'hydre de la calomnie, dont il faut couper la tête dès qu'elle apparaît et qu'elle sort de l'ombre, parce que la suite de cette calomnie, de cette trahison, cette traîtrise, c'est la barbarie. La barbarie dont nous sommes encore imprégnés, la barbarie des totalitarismes, mais une barbarie qui recommence à se faire connaître un peu sur tous les points de la planète. Et d'une façon, alors là je parle de l'actualité, mais quand même je tiens à en parler, et également d'une manière beaucoup plus sournoise et perfide, mais aussi dangereuse, sous la forme de ces messages dont le mot peut paraître anodin, le petit message qu'on s'envoie de l'un à l'autre par l'intermédiaire des réseaux sociaux, ce qui est très bien. C'était une avancée d'avoir des réseaux sociaux et de pouvoir communiquer d'un point de la planète à l'autre. Sauf que nous avons oublié, et ça, chacun des livres de Terre humaine le rappelle, nous avons oublié que la barbarie ou la bête immonde, tout ce qu'on veut, est logée dans chaque être humain, chacun de nous, donc il suffit d'un rien pour la réveiller. Aujourd'hui, nous en prenons conscience sous forme d'une atmosphère qu'on pourrait appeler inquisitoriale, en fait, de dénonciation, de méchanceté les uns envers les autres, de ce que Nietzsche appelait l'homme du ressentiment. Qui est en train de qui apparaît comme beaucoup plus délétère, beaucoup plus dangereux que le fameux virus dont il est tellement question, parce que l'humanité a connu des virus tout au long de son développement. Elle a connu également la barbarie, bien sûr, mais ce cas de spécifique, ces petites sociétés dont vient de parler du reste Olivier Weber et Philippe Descola, c'est que elles ont été très tôt conscientes
que ce qu'il importait de préserver, c'est avant tout le lien social. Et c'est l'origine de ce fameux secret. On dit que ce sont des sociétés du secret. Non, ce sont des sociétés de la discrétion, de la société qui savent qu'il suffit de peu de choses, c'est-à-dire de rendre public un acte qui est réprouvé par la société, pour que la famille, les enfants, les descendants en reçoivent les conséquences. C'est la raison pour laquelle un grand historien africain comme Christophe Wandji, qui est regretté, Christophe Wandji, insistait sur le fait qu'il est nécessaire que certains faits de l'histoire soient transmis à des personnes responsables, qui les divulguent, qui en parlent de manière modérée. Il est nécessaire aussi de ne pas faire revivre le ressentiment et le sentiment de vengeance, ce que j'ai trouvé chez les Bata Marba. Car si, effectivement, c'est une population comme toutes les petites sociétés dont nous parlons, ce sont des sociétés du « je me souviens », de la mémoire, elles n'ont pas oublié leurs combats, elles n'ont pas oublié leurs ennemis, mais elles ne veulent surtout pas oublier les alliances qu'elles ont contractées avec leurs ennemis. Ce qui fait dire à l'un des ressortissants de la Takora, de cette population, qui s'appelle Marcus Bonitega, qui a écrit un certain nombre d'ouvrages sur le patrimoine africain, c'est qu'aujourd'hui, au Bénin, par exemple, tous les ans, il y a une cérémonie selon laquelle on demande aux jeunes de se souvenir, et alors là je vais parler de la France, de se souvenir de l'alliance qui a été signée avec leurs anciens ennemis, les coloniaux, les esclavagistes françaises, pour donner toute chance aux jeunes d'accomplir leur destin, de ne pas avoir sur eux ce poids de la vengeance et du ressentiment de leurs parents, d'en être délivrés pour aller de l'avant, car ce qui pour eux, c'est ça qui est important. Et c'est le but, c'est l'orientation de la collection Terre humaine. C'est l'orientation qu'a toujours donnée Jean Mallory, c'est-à-dire savoir d'où provient, quelle est l'origine de la barbarie, la trahison, la calomnie, le ressentiment. Savoir s'en défendre dès qu'elles montrent leur visage pour permettre à l'humanité, aux jeunes en particulier, d'accomplir leur destin et d'aller de l'avant. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Pour revenir à la question de ma collègue, vous avez pu voir qu'évidemment les couvertures ont fortement évolué, presque d'un siècle à l'autre, en tout cas d'une décennie à l'autre. À l'origine, des couvertures qui étaient noires sur blanc, avec assez souvent des personnages qui étaient souvent un des intervenants principaux du livre, sinon l'auteur même de l'ouvrage. Et puis ensuite, ça a dévié vers ceci, qui était un format intermédiaire. Et puis ensuite, on est revenu à des photographies qui sont parmi les derniers ouvrages où on tient une ligne éditoriale qui reprend un tout petit peu les codes initiaux de Terre humaine. Les photographies font partie intégrante. Quand je suis allé présenter mon manuscrit sur le Vaudou, qui était à peine naissant, d'abord à Jean Mallory, ensuite à Jean-Christophe Ruffin, qui tenait la collection, tous les deux m'ont dit « Ok, c'est intéressant, mais on ne connaît rien du Vaudou. Il faut du texte, mais montrez-nous aussi des choses. » Et on a pris le parti de revenir à quelque chose qui se faisait auparavant, qui se fait dans Le souffle du mort, par exemple, et qui se faisait encore dans d'autres ouvrages, L'afflux des origines, notamment. Ce sont des dessins qu'on prend directement de nos carnets de croquis, de nos carnets de voyage, de nos carnets de terrain, et qu'on va ensuite détourer, reprendre un tout petit peu quand ils sont un peu mocheteux pour les rendre plus lisibles, mais toujours réalistes. Et donc, c'est aussi une volonté, ça, initiale, à laquelle je demande à tous les auteurs désormais de s'y conformer, c'est d'intégrer à leur récit des dessins de terrain en plus de ce cahier photographique ou de ces cahiers photographiques centraux qui sont généralement en couleur. Mais on a vraiment besoin de rentrer dans le vif du sujet et d'avoir cette réalité du terrain, non pas de façon artificielle, c'est pas du faux, mais parfois c'est un positionnement, c'est un plan de maison, c'est une gestuelle d'un rituel, c'est un détail d'un objet du quotidien.
Ça, on le voit par exemple dans Le ciel et la marmite, où beaucoup d'objets du quotidien ont une version symbolique qui représente la terre, la matrice féminine, et puis le ciel qui est au-dessus. Donc on a besoin de ces images-là en plus pour non pas rentrer simplement dans le récit, mais pour avoir une globalité de connaissances qui passe de celui qui a fait l'expérience de ce travail de terrain, celui qui a vécu, et qu'il puisse transmettre ce vécu au lecteur et à la communauté des chercheurs, car ce sont aussi des livres qui sont lus par la communauté des chercheurs. La preuve, on les trouve même ici, à la médiathèque du musée du Quai Branly Jacques Chirac. D'autres questions ? Au débat à Marba. Je voudrais simplement dire, parce que j'en suis vraiment très heureuse, c'est que ces ouvrages donc, sur lesquels j'ai mis vraiment très, très longtemps à terminer, ont contribué hein, simplement à l'inscription du Kutamaku au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et également, on donnait naissance à une chaire UNESCO consacrée au patrimoine culturel africain, dont j'avais déposé le projet et dont j'ai eu l'honneur d'avoir la responsabilité. Et jusqu'en 2018, puisqu'elle était fermée en 2018, le grand plaisir que peuvent avoir les Africains aujourd'hui, enfin beaucoup d'Africains, puisque cette chaire UNESCO a été créée sur le modèle, enfin en suivant l'orientation de la collection Terre humaine, qui leur était demandé de devenir les ethnologues de leur propre société sans avoir besoin d'ethnologues étrangers, comme moi par exemple, de nombreuses thèses et maîtrises ont été soutenues en l'espace de 12 ans, et en particulier sur leur langue, tout récemment, en 2019, donc sur la langue l'Itamari. Et ça, c'est vrai que c'est une très, très grande satisfaction, je dois dire. C'est vraiment une collection qui est militante. Oui. Voilà, oui. Et il faut que ça le reste. Voilà, le choix éditorial mérite d'entretenir cette tradition portée initialement par Mallory. Et ça doit absolument rester une collection militante. Pour vous donner une idée des quelques titres qui vont suivre dans les mois ou années à venir, évidemment les mémoires de Jean Mallory avant la fin de cette année, les itinéraires d'une dévote de Kali en Inde, avec le pèlerinage des 18 points de contact de Kali quand elle est tombée sur Terre, l'édition d'un texte ancien mais toujours important de Fosco Maraini sur les pêcheuses au Japon, avec une présentation par Vincent Guignot, ici présent, Yvonne De Sick, la présidente de la Société des études euro-asiatiques, qui va nous parler des chamans grecs. Et puis également, toujours dans le chamanisme, je sais que Jean Mallory dit chaman et pas chaman, mais ouais. Les mémoires d'une chamane coréenne qui est en cours d'écriture. Donc on a beaucoup d'ouvrages. On se rend compte quand même que l'Asie est assez souvent absente, malheureusement, de la collection Terre humaine. Donc on essaye de combler un tout petit peu cette lacune, je ne me permettrai pas de dire ça, mais en tout cas, ce déséquilibre. Donc voilà, il faut explorer l'Asie. Et bien, écoutez, s'il n'y a pas... Ah, une dernière question. Une question par rapport au film de Jean Mallory. C'est dommage que vous posiez la question maintenant, parce que le gestionnaire est parti, mais madame peut nous répondre. La diffusion des films de Jean Mallory et leur restauration ? Alors, il y a eu plusieurs stades. Les films sont sortis, les derniers rois de Tulé sont sortis en 1970. Ensuite, il y a eu la série Inuit, qui était la première fresque circumpolaire qui est sortie plus de 10 ans après. L'INA a récupéré tous ces films parce que l'ORTF avait disparu et les a numérisés. Et en 2007, il y a eu un remontage complet des films, de la deuxième série en particulier, par un monteur très, très doué qui s'appelle Antonio Wagner, qui travaille pour le CNRS aussi, et avec qui d'ailleurs j'ai eu le plaisir de travailler. Et ça a donné la création d'une nouvelle version qui est en 2 DVD. Le tout fait 240 minutes. Ce qui a été revu, c'est le fait qu'un certain nombre de couleurs
étaient saturées, elles ont été restaurées. Jean Mallory a revu ses commentaires, il les a actualisés, il a supprimé un certain nombre de commentaires qu'il trouvait un peu excessifs en quantité, et il y a eu une voix féminine qui a été introduite en préambule comme présentatrice de l'ensemble des films. Donc voilà, ça c'est disponible partout, et c'est Lina qui a coproduit ça. Voilà. Merci beaucoup. Olivier Weber, vous voulez rebondir ? Oui, donc simplement sur la synergie entre le film et la photo, donc représentée dans l'œuvre de Jean Mallory, bien sûr, dans la collection Terre humaine, fait œuvre de témoignage et d'engagement. Le mot a été prononcé tout à l'heure. Je pense que vraiment l'œuvre de Jean Mallory et la collection Terre humaine, toute cette aventure éditoriale, sont représentatives d'un engagement et du témoignage. Et je veux reparler très rapidement justement du parallèle entre la collection Terre humaine et le reportage. Reportage au long cours, pour moi, il n'y a pas de grands reporters, de petits reporters. Il y a du reportage, ça commence dans les banlieues, ça commence sur les trottoirs de Paris, comme l'a fait Patrick de Clercq, et d'autres aventures au bout du monde. Et on est dans l'immersion, on est dans l'empathie, on est dans le regard décentré. Encore une fois, la revendication du jeu, de l'approche subjective est courageuse, elle est audacieuse, mais elle est nécessaire. Et le film, deuxièmement la photo, pour moi, font partie intrinsèque de cet engagement, de ce témoignage. Et je pense que Jean Mallory a ouvert des voies et que ces voies ne sont pas prêtes de se terminer. Et bien sûr, ces mots, je vous remercie tous d'avoir assisté à cette matinée autour de Jean Mallory. Et puis, je vous incite qu'à une chose, c'est le lire, bien évidemment, l'écouter et le regarder. Merci beaucoup à tous.